Le jour même du 11 septembre 2001, plusieurs commentateurs ont fait le parallèle avec les événements historiques de Pearl Harbor. And it's a day that will, as was the case with Pearl Harbor, live in infamy in American history. The last time there was an attack like this on the United States was Pearl Harbor. Reminiscent of another terrible day, the attack on Pearl Harbor. Et quelqu'un ce même jour alla jusqu'à faire une prédiction. After the attack on Pearl Harbor, guess what we did? We went back and found out that yes, the evidence was there. We should have known. And again, I think what we're going to see, even in this instance, this Pearl Harbor of the 21st century is very much the same kind of thing. En réalité, plus les informations sur le 11 septembre émergeaient, plus les ressemblances entre les deux événements se sont avérées saisissantes. Bien que ces deux événements aient été nécessaires aux États-Unis pour entrer en guerre, dans les deux cas, le véritable objectif n'était pas celui initialement annoncé. Roosevelt knew a surprise Japanese attack would enrage the public and jumpstart the American war machine. In this way, FDR would get backdoor entry into what he really wanted. War with Hitler. D'après leurs propres documents écrits avant le 11 septembre, les néo-conservateurs savaient qu'une attaque surprise comme un nouveau Pearl Harbor déclencherait la colère du peuple américain et permettrait de lancer la machine de guerre contre l'Afghanistan. De cette façon, ils se donnaient la possibilité détournée d'atteindre leur véritable objectif, à savoir la guerre contre Saddam Hussein. In the very beginning, there was a conviction that Saddam Hussein was a bad person and that he needed to go. He says that going after Saddam Hussein was topic A 10 days after the inauguration, 8 months before September 11th. Avant et pendant la guerre, la machine de propagande s'attacha à créer une connexion directe entre Hitler et le Japon. One poll taken immediately after Pearl Harbor showed that more than 60% of Americans believed that Germany was behind the attack. La machine de propagande de Bush et Cheney s'efforça plus encore de créer une association directe entre l'Irak et Oussama Ben Laden. À la fin de 2003, près de 70% des Américains pensaient que Saddam Hussein était impliqué dans les attentats du 11 septembre. Les officiels au plus haut sommet de l'administration Roosevelt savaient à l'avance que Pearl Harbor était sur le point d'être attaqué. General Marshall and Admiral Stark and indeed FDR indeed knew that Pearl Harbor was being painted for a bombing run by the Japanese. Le secrétaire d'État Cordell Hull connaissait même la date exacte de l'attaque avant qu'elle ne se produise. Cordell Hull was Secretary of State. And he called me on Saturday morning and he started to relate that Pearl Harbor would be attacked on December the 7th. Avant le 11 septembre, la plupart des agences de renseignement savaient que les attentats allaient avoir lieu. There was so much discussion about this attack. Everybody was talking about it. George Tenet had some meetings, other analysts had meetings at the White House. Des informations cruciales sur l'attaque des Japonais ont été cachées à ceux qui auraient pu les utiliser pour défendre le port hawaïen et sauver les vies de nombreux Américains. Two men could use that information immediately. Admiral Husband Kimmel and Lieutenant General Walter Short, the commanders at Pearl Harbor. But they never get it. According to Hill, that was no mistake. If FDR and his administration deliberately withheld the vital intelligence from Pearl Harbor, and all the evidence indicates that they did, then it was certainly a deliberate conspiracy to set Pearl Harbor up for a total defeat. Avant le 11 septembre, d'importantes informations furent cachées au tsar de l'antiterrorisme Richard Clark, qui aurait pu organiser la défense, voire éviter les attentats. You have to intentionally stop it. You have to intervene and say, no, I don't want that report to go. We therefore conclude that there was a high-level decision in the CIA ordering people not to share that information. Dans les deux cas, la préconnaissance des attentats par le gouvernement US fut dénoncée devant le Congrès. In September 1944, Republican Representative Forrest Harness of Indiana made the first congressional charge about a Pearl Harbor conspiracy. He said that 3 days before Pearl Harbor, the Australian government had warned Washington that a Japanese aircraft carrier was headed towards Hawaii. But, he said, that information was withheld from Kimmel and Short.
Après le 11 septembre, le député républicain Kurt Weldon a dénoncé la préconnaissance d'informations sur les attentats à venir, lesquels furent intentionnellement cachés à la communauté du renseignement. This is an attempt to prevent the American people from knowing the facts about how we could have prevented 9/11, and people are covering it up today. Lorsque certains officiers honnêtes tombèrent par hasard sur les informations importantes concernant l'attaque des Japonais et en référèrent à leurs supérieurs, celles-ci furent ignorées, détournées ou encore effacées. The chief of naval intelligence in Washington, Captain Alan Kirk, recognized the message as plans for a bombing raid, but his persistent attempts to warn Kimmel ended when he was assigned to other duties. At Pearl Harbor, the admiral had no way of knowing that Kirk had been repeatedly refused permission to warn him. En août 2001, l'agent du FBI Colin Rowley découvrit des informations qui auraient pu permettre de déjouer le complot du 11 septembre. Ses mémos ne parvinrent jamais à ses supérieurs et on l'empêcha de poursuivre ses investigations. Finally, it turns out they were not read by the lawyer in the FBI who had the duty to send those over to the Department of Justice. Plusieurs heures avant que les Japonais ne frappent, le chef d'état-major de Roosevelt, George Marshall, est soudain devenu introuvable, ce qui retarda considérablement les processus de communication à l'intérieur de la chaîne de commandement. General George Marshall, the man who should have acted, was nowhere to be found. Colonel Rufus Bratton was responsible for keeping Marshall supplied with such vital information. For Bratton, Marshall's sudden unavailability at a time when America was on the brink of war could not have been accidental. Pendant les heures cruciales du 11 septembre, le ministre de la Défense Donald Rumsfeld et d'autres hauts gradés devinrent subitement injoignables, ce qui affecta le processus de décision à l'intérieur de la chaîne de commandement. For 30 minutes, we couldn't find him. La dissimulation d'informations pouvait cependant n'être pas suffisante pour garantir le succès de l'attaque japonaise. La capacité militaire du port hawaïen fut également tenue en dessous de ses besoins. General Short, faced with the need to send out long-range patrols, had only a handful of suitable aircraft. His demands for more were not seen as a priority. Le 11 septembre, seuls 4 avions de chasse étaient restés en état d'alerte, disponibles pour défendre l'espace aérien le plus susceptible de subir une attaque. I've determined, of course, that with only 4 aircraft, we cannot defend the whole northeastern United States. Le président Roosevelt donna l'ordre direct de ne pas intervenir lors de l'attaque japonaise. President Roosevelt told General Marshall to send a message to the Hawaiian and Philippine commanders. Don't interfere with Japan's overt act of war. The United States desires that they, Japan, commit the first overt act. There's no argument about what FDR meant. He meant that that the U.S. naval plan to defend Pearl Harbor should not and cannot be executed. Le 11 septembre, le vice-président Dick Cheney donna un ordre direct concernant un avion qui se dirigeait vers Washington, ce qui déboucha sur le crash de l'avion contre sa cible sans qu'il ait été abattu. Young man said, Vice President, the plane's 10 miles out. Do the orders still stand? And the vice president sort of whipped his head around and said, of course they do. C'est grâce à l'indignation face aux 3000 marins tués à Pearl Harbor que le président Roosevelt put enfin entrer en guerre alors que les USA s'y préparaient déjà depuis plusieurs mois. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. Et c'est grâce à l'indignation face aux 3000 victimes du 11 septembre que le président Bush put lancer une guerre qui avait déjà été préparée jusque dans ses moindres détails. CNN et le Time Magazine ont rapporté que le 10 septembre 2001, un plan militaire d'attaque contre l'Afghanistan avait été déposé sur le bureau de George Bush pour que celui-ci le signe à son retour de Floride. May God grant us wisdom and may he watch over the United States of America. Il y eut également les commissions officielles. Dans les deux cas, elles furent chargées d'établir s'il y avait eu complot ou pas par ces mêmes autorités suspectées d'avoir participé au complot. Just 3 months after VJ Day, Senator Alvin Barkley of Kentucky convenes the Joint Congressional Committee on the investigation of the Pearl Harbor attack. The committee lays much of the blame on the commanders at Pearl Harbor and largely exonerates FDR and his top advisors. But its conclusions draw charges of cover-up and cronyism.
gross negligence becomes high treason when the motive is discovered or understood. In July 2004, the commission published its final report. 2.5 million pages of documents. We've interviewed over 1,200 individuals, including experts and officials past and present. However, the commission report failed to meet many of the family's expectations and concluded that 9/11 was merely a failure of imagination. Publié en 2004, le rapport de la commission sur le 11 septembre est au centre de la contestation par le 9/11 Truth Movement, un mouvement composé de milliers d'individus et d'associations du monde entier qui communiquent à travers Internet. On reproche au rapport de la commission d'avoir tout simplement tamponné et validé la version officielle du gouvernement en ignorant tous les indices allant à son encontre et en dissimulant les principales incohérences par une longue série d'omissions, de déformations de la vérité, voire de mensonges. Avec à sa tête le chercheur David Ray Griffin, un groupe international d'une vingtaine d'experts du 11 septembre a dressé la liste des principaux éléments probants réfutant la version officielle. Ces éléments, ou points de consensus, sont accessibles au public dans quatre langues. Malgré tous les indices accumulés durant les dernières décennies, nombreux sont ceux qui continuent de rejeter l'idée d'un complot pour l'attaque de Pearl Harbor. Ils préfèrent répéter inlassablement les explications simplistes de la version officielle. There was no conspiracy. FDR did not know. Cordell Hull did not know. The American government did not know that the Japanese were going to attack Pearl Harbor on December 7th, 1941. It was a what has been called a failure of imagination. Malgré tous les indices accumulés ces dix dernières années par le 9/11 Truth Movement, nombreux sont ceux qui soutiennent encore la version du gouvernement et considèrent ces éléments comme non probants. Ces personnes sont connues comme les débunkers, un nom qui provient de leur volonté affichée de débunker ou démonter les éléments présentés par le mouvement pour la vérité. Le débunker le plus en vue en Italie s'appelle Paolo Attivissimo. Il est membre de l'organisation SICAP qui a ouvert et déclaré la guerre contre ceux qu'il appelle les théoriciens du complot. Attivissimo a tenu de nombreuses conférences sur le 11 septembre, au cours desquelles il a détaillé la plupart des aspects importants du débat. Le champion de la défense de la version officielle en France s'appelle Jérôme Quirant. Il a écrit un livre intitulé « 11 septembre et théorie du complot ». Quirant a lui aussi participé à plusieurs conférences et débats télévisés sur le 11 septembre. Mais la palme des débunkers revient très certainement au magazine américain Popular Mechanics. En 2006, il a publié un livre intitulé « Debunking the 9/11 Myth » dans lequel les auteurs affirment avoir réfuté chacune des principales affirmations avancées par le 9/11 Truth Movement. Jim Miggs is the editor of Popular Mechanics magazine. In 2005, he and a staff of reporters decided to take on the factual and scientific claims made by members of the 9/11 conspiracy movement. The results were first published in a magazine article, then more fully developed in a book titled Debunking 9/11 Myths, Why Conspiracy Theories Can't Stand Up to the Facts. I think what Popular Mechanics did with the 9/11 conspiracy theory was just about one of the best things ever done in the history of skepticism. That is exactly how it should be done. Here's the claim, here's the answer. Here's the claim, here's the answer. By the end, they got nothing to stand on. Boom, end of story. Mais est-ce vraiment le cas? Le débat sur le 11 septembre peut être divisé en plusieurs grands sujets. D'une part, les quatre détournements d'avions qui restent l'événement central de cette journée, et d'autre part, chacun des lieux frappés par les quatre avions. L'un de ces avions a percuté le Pentagone, un autre s'est écrasé à Shanksville en Pennsylvanie et les deux autres ont frappé les tours jumelles à New York. Le débat sur les détournements comporte trois volets. Le premier se concentre sur la défense aérienne et sur la question de savoir si l'absence d'interception des avions détournés fut accidentelle ou intentionnelle. Le deuxième concerne les pirates de l'air et notamment le fait de savoir s'ils étaient à bord des avions ou bien s'ils ont juste servi de bouc émissaire. Le troisième se focalise sur les avions eux-mêmes et sur la question de savoir si les quatre avions utilisés lors des attentats sont les mêmes que ceux qui ont décollé des aéroports ce matin-là, ou bien s'il s'agissait seulement d'avions qui leur ressemblaient visuellement. Les suspicions sur le véritable rôle des militaires le 11 septembre tiennent au fait que la défense aérienne US, qui passe pour la plus avancée et sophistiquée au monde, fut incapable d'intercepter au moins un seul des quatre avions pendant les 90 minutes qu'ont duré les attaques. I remember thinking, where on earth are the interceptors? I'm an old interceptor pilot, and it's absolutely unbelievable
that hijacked airliners could fly around for an hour and 40 minutes without being intercepted. As a former Minister of National Defense, why did airplanes fly around for an hour and a half without interceptors being scrambled? Take them with a quick reaction alert. They should have been in the air in 5 minutes or 10 minutes. If not, as a Minister of National Defense, I would want to say, why not? Cette stupéfiante absence de réaction a été soulignée par le sénateur Mark Dayton lors des auditions du Congrès consacrées au 11 septembre. What I find much more shocking and alarming were the repeated and catastrophic failures of the leaders in charge and the other people responsible to do their jobs, to follow established procedures, to follow direct orders from civilian and military commanders. La justification officielle de cet échec consiste en une série malheureuse de bourdes, de défauts de communication et d'erreurs qui ont mené à ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de théorie de l'incompétence. On that day, you saw a lot of well-meaning, confused people struggling to make sense of a terrible situation. They didn't even know where the planes were. L'un des arguments de cette théorie de l'incompétence est que la défense aérienne avait été conçue pour protéger les USA d'une attaque venant de l'extérieur et non de l'intérieur. The fact is that our air defenses, the whole NORAD system, was not at all geared towards protecting us from domestic aircraft. Quite the contrary, it was all set up to detect aircraft coming in from overseas. La difesa era predisposta per difendersi da attacchi provenienti dall'esterno. L'America era come fosse un castello con un fossato, ma questi hanno usato una catapulta per entrare, saltando il fossato, si sono trovati all'interno nel ventre molle dell'America. Ce que les débunkers oublient de dire, c'est que la responsabilité de surveiller et de détecter d'éventuels détournements sur le territoire US n'a jamais incombé à l'armée. Cela a toujours été du ressort du contrôle aérien civil, la FAA, comme l'explique le secrétaire à la Défense lui-même. So the Department of Defense was oriented externally. Our radars were pointing out, not in, and the FAA was the one that then had the responsibility to say there's a hijack. Comme l'explique le chercheur Nafiz Ahmed, c'est seulement après que les militaires ont reçu la demande de faire décoller leurs avions de chasse. Standard operating procedures dictate that as soon as a plane flies off course, the FAA will contact the plane and try to ask them what is going on. If there is a problem or if they cannot establish radio contact, then immediately the FAA will contact the Pentagon, who will, within a matter of minutes, a maximum of 10 minutes normally, will scramble fighter jets to intercept the civilian plane and to analyze the situation and see what is going on. La responsabilité de la FAA sur l'ensemble de l'espace aérien est clairement établie par cet échange entre militaires le jour du 11 septembre. If you can't hand the fighters over directly to FAA, so they're still under FAA control, we're never going to take them. Just work with them, coordinate with them as best that you can with that. Take them to the area and let them handle that airspace. D'après les débunkers, un autre argument de la théorie de l'incompétence, c'est qu'en éteignant les transpondeurs, les pirates de l'air ont rendu très difficile le repérage des appareils sur les radars. That can't be overstated. The fact that once the hijackers turned off the transponders, you had air traffic control who were looking at something like 4,500 primary radar blips. They were trying to pick out the plane that they just lost. Non sapevano dove andare perché i terroristi hanno disattivato un dispositivo che si chiama transponder, che localizza l'aeroplano. Spento quello, puff, sparisce il puntino. E dov'è? Non si sa dove è. C'est faux. Lorsqu'un transpondeur est éteint, les contrôleurs aériens perdent l'information sur l'altitude, mais ils peuvent toujours suivre l'avion avec son signal primaire. L'exemple suivant montre le temps qu'il a fallu au contrôle aérien pour retrouver le vol American 11 sur les écrans après qu'on lui a pris le détournement de l'avion. Good morning, Washington. I got a situation here with American 11. We believe it's a possible hijack. Okay, tell me more. We lost radio communications with him. Then we lost his transponder. And right now the aircraft is just west of Albany going southbound. Okay, I see him. Le vol United 175 n'a jamais éteint son transpondeur. Il a juste changé de code. United 175 is 50 miles northwest of New York City when its transponder code is suddenly changed. As I look up, I notice that United 175's code has changed. I just turned around and radioed the pilot. My exact words were, United 175, recycle transponder squawk.
Hijacker Al-Shehhi obviously intended to turn off that transponder, but because he just changed codes and didn't turn it off, he still left the controllers with a very clear indication of the normal return from an aircraft that was squawking, that's what we call it, with the altitude. D'après le Secret Service, l'avion qui a frappé le Pentagone a été suivi à la trace pendant les 30 minutes qu'a duré son approche de Washington. Nelson Garabito was the Secret Service agent in charge of protecting the White House airspace. First thing I did is I picked up the phone to call my contact, the FAA. He said we have four planes outstanding. Two have hit the towers, and two are headed to Washington, D.C. One of them approximately 30 minutes out, one of them approximately 45 minutes out. Le fameux avion à 30 minutes s'est révélé être celui qui a frappé le Pentagone. As the one nearest us got closer and closer, 6 minutes out, 5 minutes out, we knew it was sort of over the CIA, and we thought, is that where it's going? But it kept coming. Le vol United Airlines 93 était également suivi au radar après son détournement. We were tracking United 93 and I was in conversation with the FBI agent and he was relaying to me that we suspect that this aircraft is now been taken over by hostile forces, described the sharp turn it made over Eastern Ohio and now is heading back along southwestern Pennsylvania. L'avion était suivi seconde par seconde, pratiquement en temps réel. Right now he is west of Johnstown still. 12 miles. À un moment, il a même rallumé son transpondeur, montrant ainsi non seulement sa position, mais aussi son altitude. It looks like he's still turning. Hey, his transponder just came back on and it was showing 8,000 feet 200. 8,200 feet. 8,200 feet and he's on the same code that he was before. Mis à part quelques périodes de confusion, les quatre appareils ont été suivis à la trace par le contrôle aérien pendant tout leur vol. La véritable raison de l'échec de la défense pour intercepter les quatre avions le 11 septembre semble être le nombre élevé d'exercices militaires menés par le NORAD depuis la base de Cheyenne Mountains dans le Colorado. Comme le fait remarquer Webster Tarpley dans son livre La terreur fabriquée Made in USA, les exercices d'état-major ou de commandement sont parfaits pour un réseau putschiste. Cela permet de mener des opérations en utilisant les mêmes systèmes de communication et de calcul que les autres officiers qui ne font pas nécessairement partie de l'opération illégale. Il est intéressant de noter que le soir du 10 septembre, le niveau de sécurité du système informatique du NORAD, appelé Infocon, a été ramené à « normal », qui est le plus bas niveau. Cela a pu faciliter la tâche de qui aurait voulu pénétrer ou attaquer le réseau informatique du système de défense aérienne. Le 11 septembre, entre 4 et 10 exercices militaires avaient lieu, certains incluant de faux détournements d'avions de ligne. Ce nombre inhabituel d'exercices militaires a eu deux effets majeurs. Le premier a été de déplacer un nombre important d'avions de chasse vers le Canada et l'Alaska, le deuxième de créer une grande confusion dans le système de défense au moment où les véritables détournements étaient signalés. We have a hijacked aircraft headed towards New York and we need you guys to, we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise manifest. Le processus d'autorisation de décollage des chasseurs fut lent et compliqué. La confusion et le stress ne firent qu'augmenter. I don't know where I'm scrambling these guys to. I need a direction, destination. Par moments, les communications étaient saturées. You could do me a favor and have them call us. We cannot call out for some reason. Certains militaires ont rapidement réalisé que les simulations posaient problème. You know, let's get rid of this goddamn sim. Hey, turn the sim switches off. Let's get rid of that crap. I hope they cancel the exercise because this is ridiculous. Mais elles ne furent pas annulées. Les exercices de simulation ont continué même après les frappes contre les deux tours de New York, alors que toute l'Amérique savait que le pays était attaqué. You guys watching the news? Yeah. I wasn't sure. I've been watching for about 10 minutes, thanks. Apparemment, quelqu'un a profité de la situation. Pendant que le vol 77 se rapprochait à toute vitesse par l'ouest, une source inconnue qui n'a jamais été identifiée a rapporté que le vol American Airlines 11 arrivait vers la capitale par le nord, alors même que l'avion s'était déjà écrasé contre la tour nord. Cela attira toute l'attention sur ce que l'on a appelé l'avion fantôme. Les chasseurs de la base de l'anglais se préparèrent à l'intercepter. On les fit décoller et se diriger droit vers Washington. Mais un autre poste de commandement dénommé Giant Killer renvoya les chasseurs au-dessus de l'océan.
We want him in the Whiskey 386 area. Cela en irrita certains au centre des opérations. Mais l'avion qui se dirigeait vers le Pentagone était déjà au-dessus de Washington et il était trop tard pour que les chasseurs de l'anglais puissent l'intercepter. Même après la frappe du Pentagone, les exercices militaires ne furent pas suspendus. Et à nouveau, alors que le vol UA-93 était détourné, une autre fausse alerte focalisa l'attention dans la direction opposée. Did you get the word? I got a Delta 89er south-southeast of Toledo. Delta 89, that's a hijack. They think it's possible hijack. Fuck. South of Cleveland, we have a code on it now. Good. Pick it up. Find it. Fuck, another one. Le major Nassipani s'est tourné vers la base de l'US Air Force de Toledo. I'm sorry to be so brief and quick on this, but there's another possible hijack about 50 miles east of Toledo. And you guys are the closest. And we need somebody airborne. Mais au lieu d'obtenir de l'aide, son autorité fut remise en cause. What authority is this coming from? What authority is this coming from? The DO is the best I can tell you. Massipani fit part de sa frustration à son supérieur, le colonel Marr. He's going to tell his commander. The commander's going to call you because he doesn't believe the authority. Ils essayèrent alors la base de l'US Air Force de Duluth. Nassipani essaya les bases toujours plus à l'ouest en quête d'assistance. This is Major Cheney. Who is this? Hey, Cheney. This is Nasty. How you doing? Hey, doing all right. Hey, we're not doing so good right now. What I'd like to do, possibly steal some aircraft out of Fargo from you guys. Mais là non plus, aucun avion n'était en état d'alerte prêt à décoller. Ils essayèrent la base de Syracuse, qui avait besoin d'un délai de 20 minutes. Syracuse 2 airborne in 20 minutes. Ils tentèrent Alpena, mais les avions revenaient tout juste de leur entraînement. The Alpena thing isn't what we thought. There's four guys coming home from the range right now. Ils cherchèrent alors des avions déjà en vol pour les exercices. Anybody in training, send them home. These moving missions of Falcon, send them home. Mais ces avions étaient à sec à ce moment-là. Lorsque des chasseurs armés et avec le plein purent enfin décoller, le vol Delta se révéla n'être qu'une fausse alerte. He was a hijacked aircraft. He is not a hijacked aircraft. He's taken precautionary measures and he's landing at Cleveland Center. C'est seulement après que le vol Delta eut atterri que les exercices de simulation furent enfin suspendu. Hello, this is Captain Taylor calling from Shanghai Ground Control. Yes. What we need you to do right now is to terminate all exercise inputs coming into Cheyenne Mountain. À cet instant, le quatrième avion n'était déjà plus qu'un amas de débris fumant. Le général Myers, qui représentait la plus haute autorité militaire le 11 septembre, a nié que ces exercices aient affecté d'une quelconque manière les capacités de réponse militaire. La question was whether or not the activities of the four war games going on September 11th actually impaired our ability to respond to the attacks. The answer to the question is no, did not impair our response. In fact, le général Mayer s'oublie de dire que ce matin du 11 septembre, seuls 4 avions étaient armés et prêts pour intercepter les terroristes dans la partie est du pays. I've determined, of course, that with only 4 aircraft, we cannot defend the whole northeastern United States. That was the sensation of frustration. Of, I don't have the forces available to do anything about this. Au lieu de cela, Myers a suggéré que les exercices ont aidé les militaires à réagir. General Eberhardt, who was in the commander of North American Aerospace Defense Command, as he testified in front of the 9/11 Commission, I believe he told them that it enhanced our ability to respond. What that means is all the battle positions that are normally not filled are indeed filled. So it was an easy transition from an exercise into a real world situation. Là encore, Mayer s'oublie de dire que la transition est survenue seulement après la fin des événements tragiques, autour de 11h. By 11 o'clock, the sense of alarm had spread across the country. Fighter jets actually patrolling the skies. It was a war zone. Our skies were turned into a war zone. Everywhere you turn, it was military jets and helicopters everywhere. George Bush est revenu à Washington le soir du 11 septembre. The president finally returns to Washington. An escort of 6 helicopters was waiting for him. 300 fighters were defending the skies. S'il y avait eu 300 chasseurs prêts à défendre le ciel ce matin du 11 septembre 2001, les attentats se seraient-ils déroulés de la même façon? Cela nous amène à la question centrale. Le choix d'organiser autant d'exercices le même jour est-il le fruit d'un malencontreux hasard ou bien était-il intentionnel? Pour répondre à cette question, il nous faut étudier plus avant certains avertissements reçus par les USA dans les mois qui ont précédé le 11 septembre. By the spring of 2001,
The system was blinking red, according to intelligence chiefs. L'administration US a toujours affirmé qu'elle savait que des attentats étaient en préparation, mais qu'elle n'avait aucune information spécifique à leur sujet. I knew there was another attack planning. I knew there was another attack coming. And the obvious question behind that is, well, why didn't you do something about it? We had no specific information. It was not specific as to time, nor place, nor manner of attack. No specific threat involving really a domestic operation or involving what happened, obviously, the city's airliner and so forth. There were no warning signs that I'm aware of that would indicate this type of operation in the country. Toutes ces affirmations sont fausses. Une enquête conjointe du Congrès sur le 11 septembre a révélé qu'au printemps et à l'été 2001, un déluge d'avertissements était arrivé concernant de possibles attentats terroristes aux États-Unis, certains utilisant des avions comme armes. Comme l'écrit le New York Times, les officiers de l'aviation avaient été prévenus dès 1998 qu'Al-Qaïda se préparait à détourner un vol commercial et à frapper un édifice sur le sol américain. Le London Times a révélé que les services secrets britanniques, le MI6, avaient prévenu ses homologues américains au sujet d'un complot visant à détourner des avions et à les précipiter contre des bâtiments, et ce, 2 ans avant les attentats du 11 septembre. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré publiquement qu'il avait ordonné à ses services de renseignement de prévenir les États-Unis durant l'été 2001 que des pilotes kamikazes s'entraînaient pour attaquer des cibles américaines. Les renseignements allemands ont alerté la CIA en juin 2001 à propos de terroristes du Moyen-Orient s'entraînant à des détournements d'avions. Le Sunday Herald a confirmé le fait que la Grande-Bretagne a fourni au président Bush un avertissement formel concernant le détournement de plusieurs avions de ligne environ un mois avant les attentats du 11 septembre. Et il y a aussi le fameux mémoire du 6 août. President Bush was told in August that Osama bin Laden might be planning an attack involving the hijacking of US aircraft. It's titled Bin Laden determined to strike in US. The two-page memo states, FBI information indicates patterns of suspicious activity in this country, consistent with preparations for hijackings or other types of attacks. Et ce n'est peut-être pas un hasard si le FBI, 6 semaines avant le 11 septembre, a averti son propre patron de ne pas voler sur les vols commerciaux. Why is the Attorney General of the United States doing all his air travel by specially chartered jet? The Justice Department cited what it called a threat assessment by the FBI and said Ashcroft has been advised to travel only by private jet for the remainder of his term. À ce moment, on peut se poser les questions suivantes. Sachant que les attentats étaient imminents, qu'ils impliquaient le détournement de plusieurs avions de ligne, mais sans en connaître ni le lieu ni la date, cela constituait de bonnes raisons pour renforcer les défenses aériennes et pour mettre en état d'alerte plus de chasseurs que d'habitude sur tout le territoire. Pourquoi alors organiser autant d'exercices le même jour, tout en ne laissant que 4 avions de chasse en alerte pour défendre justement la partie du pays la plus susceptible d'être attaquée ? Mais ce qui sema encore plus de confusion dans cette situation fut toute une série de remplacements de dernière minute et d'absences inexpliquées dans la chaîne de commandement. Le général Henry Shelton occupait le poste de président des chefs d'état-major, mais il était absent le 11 septembre et fut remplacé par son adjoint, le général Myers. Le directeur national des opérations à la FAA se nommait Ben Sliney. Le matin du 11 septembre, Sliney occupait ce poste depuis à peine 24 heures. Les protocoles exigeaient que ce soit Sliney qui parle directement avec le coordinateur des détournements aériens, le général Mike Canavan. Mais ce jour-là, Canavan se trouvait à Porto Rico et il avait apparemment oublié de désigner un remplaçant. À propos de la confusion qui s'en est suivie, M. Sliney a déclaré « C'est incroyable, il n'y a qu'une seule personne, il y a bien quelqu'un qui a été désigné ou qui va assumer la responsabilité d'émettre un ordre ». À la tête du Centre National de Commandement Militaire se trouvait le général Montague Winfield. Cependant, le soir du 10 septembre, Winfield avait demandé au capitaine Charles Leidig de prendre sa place le lendemain matin. Leidig venait tout juste d'obtenir son habilitation, et le 11 septembre fut son premier jour à ce poste. Le colonel Maher dirigeait le centre de commandement des opérations du NEADS, lorsque Maher appela son supérieur, le général Arnold, pour demander l'autorisation de faire décoller des chasseurs de la base d'Otis, on lui répondit qu'Arnold était en pleine réunion et qu'il ne pouvait pas être joint par téléphone. Maher dut alors envoyer un messager chercher Arnold. De précieuses minutes furent ainsi perdues, tandis que Maher attendait l'appel d'Arnold. Et lorsque finalement les chasseurs décollèrent, il était trop tard pour intercepter le vol 11 d'American Airlines. Au sommet du commandement du NORAD se trouvait le général Ralph Eberhardt, sur la base de Peterson dans le Colorado. Eberhardt expliqua à la commission sur le 11 septembre qu'il avait appris le premier détournement pratiquement au moment où le vol AA-11 percutait la tour Nord.
Il était alors revenu à son bureau et avait vu les images de CNN montrant l'explosion au World Trade Center. Après le deuxième impact d'avion, écrit la commission, il était devenu évident pour Eberhardt qu'une attaque terroriste coordonnée était en cours. À ce moment, Eberhardt appela le général Myers pour le tenir informé de la situation. Pourtant, même si les deux généraux savaient que le pays était attaqué par des avions détournés, aucun d'eux ne suggéra de mettre fin aux exercices militaires et de rappeler le plus vite possible les chasseurs disponibles. De plus, au lieu de se précipiter sur leur téléphone et de prendre en main la situation au moment crucial de cette journée, Eberhardt décida de se rendre en voiture à Cheyenne Mountain depuis la base de Peterson. Ce trajet de 30 minutes le mit totalement hors jeu, puisque Eberhardt ne pouvait recevoir d'appel tandis que les officiels de haut rang hésitaient sur la conduite à tenir. C'est le général Eberhardt qui avait pris la responsabilité d'abaisser le niveau de sécurité du système informatique la veille au soir. Et puis, il y a le cas de Donald Rumsfeld. Comme l'explique la commission sur le 11 septembre, les procédures exigeaient que le coordinateur des détournements en place contacte le Centre national de commandement militaire et demande à l'armée qu'un avion de chasse escorte l'appareil en question. Le NMCC devait alors demander le feu vert au bureau du ministre de la Défense pour fournir l'assistance militaire. Si la demande était approuvée, l'ordre était alors répercuté tout au long de la chaîne de commandement du NORAD. Mais ce type de procédure devient difficile à suivre lorsque le coordinateur des détournements se trouve à Porto Rico, que personne ne sait qu'il remplace, que le centre de commandement est supervisé par un débutant et que le ministre de la Défense est introuvable. Donald Rumsfeld a expliqué à CNN qu'il avait été informé du second impact contre les tours environ 15 minutes avant que le Pentagone ne soit lui-même frappé. Cela situe l'épisode aux environs de 9h22. Et après la frappe contre le Pentagone, plutôt que de se rendre au centre de commandement et de prendre la situation en main, le secrétaire à la Défense décida d'aller donner un coup de main aux équipes de secours sur la pelouse du Pentagone. À croire que Rumsfeld ne ressentait pas le besoin d'être informé de ce qui se passait alors que son pays était attaqué. The Secretary of Defense is outside the burning building while inside the Pentagon. For 30 minutes, we couldn't find him. And just as we began to worry, he walked into the door of the National Military Command Center. Avant que Rumsfeld n'ait rejoint le centre de commandement, tous les événements majeurs de la matinée s'étaient déjà produits. En fait, Rumsfeld a affirmé devant la commission sur le 11 septembre qu'il essayait juste de prendre le pouls de la situation quand il a discuté avec le vice-président à 10h39, c'est-à-dire plus d'une heure et demie après que le monde entier eut appris que les États-Unis étaient attaqués. Savoir pourquoi autant de débutants occupaient des postes clés et pourquoi autant de hauts gradés étaient absents ou injoignables le jour où de si nombreux exercices militaires étaient programmés reste toujours sans réponse. Question. Une fois qu'Eberhardt s'est rendu compte que le pays était attaqué par des avions de ligne détournés à 9h03, pourquoi n'a-t-il pas immédiatement suspendu les exercices militaires et rappelé tous les chasseurs à leur base? Pourquoi Myers n'a-t-il pas ordonné à Eberhardt de le faire après avoir fait le point au téléphone sur les attaques en cours? Et pourquoi la commission sur le 11 septembre n'a-t-elle pas posé aux deux généraux ces deux questions pourtant fondamentales? L'argument décisif contre cette théorie de l'incompétence est donné par le chercheur Nafiz Ahmed. If we try to explain it by using the incompetence theory, it doesn't make sense. For example, if it was incompetence, we would expect that there would have been a normal inquiry into what went wrong. We would have expected that there would be some kind of reprimands, that certain officials would be downgraded or they would lose their jobs, or something would have happened to correct the situation. But we find that there has been no such reprimands at all. Non seulement cela ne s'est pas produit, mais c'est l'exact opposé qui a eu lieu. Après le 11 septembre, la plupart des hauts gradés impliqués dans cet échec catastrophique furent soit confirmés à leur poste, soit promus à un poste supérieur. Condoleezza Rice avait menti sous serment à propos des informations dont le gouvernement disposait sur les attentats. Elle a été confirmée dans son rôle de conseiller national à la sécurité, et elle est même devenue secrétaire d'État durant la deuxième administration Bush. Le général Eberhardt, commandant du NORAD, n'avait pas eu l'idée de mettre fin aux exercices dès que son pays fut attaqué. Il fut choisi pour diriger le tout nouveau US Northern Command, qui selon le département de la Défense, est la principale organisation militaire de défense interne du territoire. Donald Rumsfeld, qui avait réagi plus en touriste qu'en ministre de la Défense, a conservé son poste au Pentagone et a bénéficié du plus gros accroissement de budget militaire depuis la guerre du Vietnam. Richard Myers, malgré la faillite totale de son commandement, a été promu président des chefs d'état-major, le plus haut poste militaire aux États-Unis. Le 13 septembre, s'est tenue une audience pour la confirmation du général Myers, comme si de rien n'était, alors que les équipes de secours extrayaient encore les victimes des décombres fumants de Ground Zero.
Tandis qu'au Pentagone, les militaires semblaient totalement déconnectés des événements en cours, à la Maison-Blanche, l'activité de coordination semblait se concentrer autour de la ferme autorité du vice-président Dick Cheney. En fait, ce que l'on appelle les NORAD tapes, les enregistrements du NORAD, ont révélé que la Maison-Blanche disposait de ses propres missiles sol-air. Washington approach. Right. Make sure that the center does not have anything above our airspace. Also, the Secret Service is going to start shooting at anything in the air. Then I just got a call from Washington. They said that if there's anything above their airspace, the Secret Service is going to free fire. Cet échange, qui a eu lieu vers 10h du matin, jette une lumière nouvelle sur l'une des questions les plus controversées du 11 septembre. Le témoignage sous serment du ministre des Transports, Norman Mineta, devant la commission en mai 2003. Mineta est interrogé sur les événements qui se sont produits dans le bunker souterrain de la Maison-Blanche, appelé le PEOC. C'est de là que Dick Cheney a pris la situation en main, après qu'il eut convaincu le président Bush de rester loin de Washington pour des raisons de sécurité. Pour bien comprendre les implications de cette affaire, il faut garder deux choses en mémoire. La première, d'après la version officielle, le vol 77 a frappé le Pentagone à 9h37 et le vol 93 s'est écrasé en Pennsylvanie à 10h03. C'est sur cette période de 26 minutes que repose la question de la crédibilité du vice-président quant à son rôle pendant les attentats du 11 septembre. La deuxième chose à garder en tête est que l'ordre d'abattre les avions civils est venu du président via le vice-président, mais seulement une fois que le Pentagone eut été frappé par le vol 77. When the third plane hit the Pentagon, the magnitude of the attacks grew dramatically. We didn't know if there were other planes that had been hijacked. So the first decision I made on Air Force One was to give our Air Force orders to shoot down commercial aircraft that did not respond. Cela signifie que tout ordre émis avant que le Pentagone ne soit percuté ne peut avoir été l'ordre d'abattre l'avion. Pourtant, lorsque Hamilton, le coprésident de la commission, demanda des éclaircissements à propos de cet ordre, une chose inattendue apparut dans le témoignage de Norman Mineta. And we had that order given, I think it was by the president, that authorized the shooting down of commercial aircraft that were suspected to be controlled by terrorists. Were you there when that order was given? No, I was not. I was made aware of it during the time that the airplane coming in to the Pentagon, there was a young man who would come in and say to the vice president, the plane is 50 miles out, the plane is 30 miles out. And when it got down to the plane is 10 miles out, the young man also said to the vice president, do the orders still stand? And the vice president turned and whipped his neck around and said, of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary? Well, at the time, I didn't know what all that meant. And the flight you're referring to is the flight that came into the Pentagon. Yeah. La déposition de Mineta posait un problème majeur. Vu que l'ordre d'abattre tout avion menaçant fut donné seulement après le crash du Pentagone, l'ordre de Cheney sonnait vraiment comme celui de ne pas abattre l'avion. Hamilton a immédiatement suggéré que Mineta avait assisté à un ordre d'abattre l'avion. Let me see if I understand. The plane that was headed toward the Pentagon and was some miles away, there was an order to shoot that plane down. Well, I don't know that specifically. Romer, un membre de la commission, a repris là où Hamilton s'était arrêté. You said, if I understood you correctly, that you were not in the room when the decision was made to what you inferred was a decision made to attempt to shoot down Flight 77 before it crashed into the Pentagon. Is that correct? I didn't know about the shooting, the order to shoot down. Romer tenta ensuite de suggérer une solution différente. Was there another line of communication between the vice president and you said you saw Mr. Richard Clark on your way in? Was Clark running an operations center as well on that day? Dick was in the situation room. So there was a situation room making decisions about what was going to happen on shoot downs as well making as the PIOC? I don't believe they were making any decisions. I think they were more information gathering from various agencies. Could it have been in the Situation Room where somebody in the Situation Room recommended the shoot down and the Vice President agreed to that?
Commissioner Romer, I would assume that a decision of that nature would have had to be made at a much higher level than the people who were in the Situation Room. Incapable de résoudre cette incohérence, la Commission prit une série de décisions extrêmement graves. D'abord, elle exclut purement et simplement le témoignage de Minetta de son rapport final. Dans les 560 pages du rapport, Norman Minetta n'est cité qu'une seule fois à propos d'un fait non lié à ce témoignage. Sa présence dans le PIOC n'est jamais reconnue, et la portion de vidéo que vous venez de voir a été retirée du site officiel de la Commission et n'est plus accessible. Ensuite, la Commission a déplacé l'arrivée de Dick Cheney dans le PIOC après que le Pentagone eût été frappé. Dans le rapport final, on lit « Le vice-président est arrivé dans le tunnel souterrain menant à l'abri à 9h37, qui est précisément l'heure à laquelle le Pentagone a été percuté. » La Commission a affirmé que Dick Cheney était resté dans ce tunnel pendant plus de 20 minutes, au cours desquelles il avait tenté d'appeler le président et qu'il n'était entré dans le PIOC qu'à 9h58. La raison pour laquelle le vice-président est resté plus de 20 minutes à essayer de téléphoner alors que le PIOC est spécialement équipé pour ça n'a jamais été expliquée. Finalement, la Commission a déplacé l'échange avec le jeune homme après 10 heures et en a réécrit le contenu de manière à le faire coïncider avec la version officielle. Dans le rapport final, on peut lire « Entre 10h10 et 10h15, un aide de camp a dit au vice-président et aux autres personnes présentes que l'avion était à 80 miles. » L'autorisation du vice-président Cheney a été sollicitée pour abattre l'avion. L'aide de camp est revenue quelques minutes plus tard et a dit que l'avion se trouvait à 60 miles. Il a de nouveau demandé l'autorisation de l'abattre, le vice-président a de nouveau donné son accord. En somme, la fenêtre de temps décrite par Minetta pendant que l'avion s'approchait du Pentagone a été placée entre 10h10 et 10h15 dans le rapport de la commission. Et dans ce même rapport, les 50 miles mentionnés par Minetta sont devenus 80 puis 60 miles. Les 30 miles, puis 10 miles évoqués par Minetta ont tout simplement été supprimés, et l'ordre informel émis par Dick Cheney au jeune homme est devenu un ordre spécifique d'abattre l'avion. Et puisque l'épisode a été déplacé après 10 heures, la commission peut dorénavant affirmer que l'échange dont Minetta a été le témoin se référait au vol 93, quand l'ordre d'abattre était déjà en place et non plus au vol 77 qui a officiellement frappé le Pentagone. Il reste pourtant un problème avec cette version. Norman Minetta devait être plongé dans un état de confusion totale lors de ses dépositions, puisqu'il ne pouvait pas s'être trouvé dans le PEOC avec le vice-président au moment où le Pentagone était percuté. Pour appuyer cette théorie, les débunkers mettent en avant une phrase de Minetta qui a déclaré que lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, celle-ci était en train d'être évacuée. Étant donné que l'ordre officiel d'évacuation a été émis à 9h45, disent les débunkers, Minetta ne peut pas avoir été avec le vice-président au moment où le Pentagone était frappé. Questa informazione ci permette di localizzare cronologicamente il momento in cui Minetta è entrato a Casa Bianca. Mais dans la même déposition, Minetta déclare également qu'il est arrivé au PIOC vers 9h20. Il est donc probable qu'il se référait à des personnes qui avaient déjà commencé à quitter la Maison Blanche avant l'ordre officiel d'évacuation. CNN a en effet rapporté à 9h52 qu'une évacuation de la Maison Blanche avait commencé tranquillement environ 30 minutes plus tôt, bien avant l'ordre d'évacuation. Mais le principal problème de la version de Cheney arrachée à son bureau à 9h37 est Dick Cheney lui-même. En effet, le 16 septembre, soit 5 jours après les attentats, Cheney a déclaré lors de l'émission Meet the Press qu'il avait été emmené dans le bunker peu de temps après l'impact contre la deuxième tour qui eut lieu à 9h03. So we turned on the television and watched for a few minutes and then actually saw the second plane hit the World Trade Center. I talked with the president while I was there over the next several minutes watching developments on television and as we started to get organized to figure out what to do, my Secret Service agents came in and they hoisted me up and moved me very rapidly down the hallway, down some stairs, through some doors and down some more stairs into an underground facility. And they did that because they'd received a report that an airplane was headed for the White House. Il existe également de nombreux témoignages, tous plus crédibles les uns que les autres, confirmant que Cheney a été évacué de son bureau peu après 9h03. ABC News a cité le photographe de la Maison Blanche, David Borer, qui a déclaré que juste après 9h, le vice-président Cheney était dans son bureau de l'aile ouest lorsque deux ou trois agents sont entrés et lui ont dit « Monsieur, il faut venir avec nous ». Agents came inside the office and said, sir, you have to come with us. Le New York Times a fourni le même récit. À 9h03, alors que le vice-président regardait la télévision, le deuxième avion détourné explosait contre les tours jumelles. À cet instant, le Secret Service est arrivé et l'a immédiatement emmené au PIOC.
Richard Clarke, dans son livre Against All Enemies, écrit que peu après la seconde frappe, Cheney a commencé à rassembler ses papiers. Au moment où je sortais, j'ai compté 8 agents du Secret Service prêts à aller au PIOC. La secrétaire du président Bush, Ashley East, a déclaré « Quand le deuxième avion a frappé, je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Et puis j'ai entendu un bruit, comme un corps heurtant une porte. J'ai jeté un œil dans le couloir et j'ai vu le vice-président avec le Secret Service. Il le tenait soulevé et courait avec lui. À ce moment-là, j'ai compris ce qui se passait. » L'ancien ministre adjoint de la Défense, Eric Edelman, a déclaré lors de sa déposition « J'étais dans le PIOC avec le vice-président lorsque nous avons entendu dire qu'il y avait eu une explosion au Pentagone. » Et même après 10 ans, Dick Cheney n'a pas changé sa version d'un iota. As we watched, we saw the second plane strike, and then we knew it was a terrorist attack. Then my Secret Service agent, lead agent, came bursting through the door of my office and said, "Sir, we have to leave now." Tandis que tous ces témoignages placent Cheney dans le PIOC à l'heure où le Pentagone était frappé, la commission sur le 11 septembre a reconnu que l'horaire de 9h37, quand Cheney serait entré dans le tunnel, était basé sur les données de sécurité qui ne sont plus disponibles. Et chose plus importante que toutes les autres, Mineta lui-même se rappelle avoir été aux côtés du vice-président au moment où le Pentagone était frappé. So then someone came in and said, Mr. Vice President, there's been an explosion at the Pentagon. De plus, Mineta n'a jamais changé de version au cours du temps. Il a maintenu à la fois l'endroit et l'horaire de cet épisode. And then all of a sudden, as I was talking to him, he said, I lost the bogey, lost the target. I said, well, where is it? He said, well, somewhere between Roslyn and National Airport. And about that time, someone broke into the conversation. He said, Mr. Secretary, we just had a confirmation from a Arlington County police officer saying that he saw an American Airlines plane go into the Pentagon. Le fait que l'échange auquel Mineta a assisté concerne bien le vol sur le point de percuter le Pentagone ne fait donc aucun doute. Toutefois, nous ne savons toujours pas en quoi consistait l'ordre que Cheney a donné au jeune militaire, dont le nom serait Douglas Cochrane. En 2010, des chercheurs ont remonté la piste et retrouvé M. Cochrane. Ils lui ont demandé de clarifier en quoi consistaient les ordres de Cheney. M. Cochrane a confirmé être la personne impliquée dans cet échange, mais il n'a pas voulu en dire plus. Il a simplement déclaré que tout ce qui s'est passé ce jour-là a été très bien documenté. Le rapport de la commission est le récit qui fait autorité sur les événements du 11 septembre, je n'ai rien à ajouter. En fait, il apparaît qu'en 2004, la commission avait entendu M. Cochrane, cette aide de camp du vice-président, à propos de l'avion à l'approche et de la formulation de l'ordre de l'abattre. Mais cette entrevue reste inaccessible au public et est toujours classifiée. En attendant que ce document soit rendu public, il est possible de mettre bout à bout les informations que nous avons. 1. L'espace aérien au-dessus de Washington est classé Bravo, c'est-à-dire espace interdit. Il porte le nom de Zone interdite P-56. Tout avion voulant y pénétrer doit obtenir l'autorisation du contrôle aérien, ses communications radio doivent être actives dans les deux sens, de même que ses transpondeurs. 2. Comme l'explique l'ancien ministre de la Défense Caspar Weinberg, en période de crise, l'espace aérien de Washington est totalement fermé. You would do what is being done, and that is closing off the entire airspace so that you in effect the whole Washington area is a no-fly zone, so that any planes that can't identify themselves and get into that. To be shot down. 3. La Maison-Blanche dispose de ses propres missiles sol-air. Hello there, Washington approach. Hi. Make sure that the center does not have anything above our airspace also. The Secret Service is going to start shooting at anything in the air. 4. Alors qu'un avion inconnu approchait de l'espace protégé, il n'avait pas l'autorisation des contrôleurs aériens. Sa radio était coupée, de même que ses transpondeurs. He said, we're tracking an airplane coming in. But the transponder has been turned off, so we don't have any identification on the airplane. We know it's coming in fast. A representation of the FAA radar scope, based on information obtained by 2020, shows the plane headed straight for what is known as P-56, Prohibited Airspace 56, which covers the White House and the Capitol, at a speed of about 500 miles an hour, with no radio contact whatsoever. Cela en faisait un candidat parfait pour un ordre d'abattre, surtout après les deux frappes contre les tours jumelles. 5. Le Secret Service avait connaissance de l'approche de l'appareil depuis 30 minutes. Il est donc probable qu'ils étaient prêts à l'abattre si cela devenait nécessaire. One of them approximately 30 minutes out, one of them approximately 45 minutes out. So we knew we had some time, but little time.
Mais personne n'a levé le petit doigt alors que la menace inconnue fonçait sur la capitale. Someone came in and said to the vice president, there's a plane out about 50 miles out. As the one nearest us got closer and closer, 6 minutes out, 5 minutes out. The same person said to the vice president, Mr. Vice President, there's a plane 30 miles out. And then at one point, we got under a minute and I said, it's about 30 seconds out. The Washington controllers came up on the speakerphone and started counting down 10 miles to the White House. The young man said, Mr. Vice President, the plane's 10 miles out. Do the orders still stand? And the vice president sort of whipped his head around and said, of course they do. 9 miles from the White House, 8 miles from the White House, all the way down to 1 mile from the White House. Mais aucun missile n'a été tiré. L'avion a pu en toute quiétude effectuer un cercle au-dessus de la Maison Blanche et aller frapper le Pentagone, causant la mort de 125 personnes parmi les militaires et les civils au sol. Question. Le Secret Service savait que l'avion approchait pendant les 30 premières minutes. Ils le suivaient au radar, ils avaient les moyens de l'abattre et ils auraient dû le faire pour protéger la capitale. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Concernant l'échange entre Dick Cheney et le jeune homme, pouvez-vous proposer une autre explication que celle d'un ordre de ne pas abattre l'avion alors qu'il approchait de la zone protégée de Washington ? Si la défense militaire laisse de nombreux points d'interrogation, les questions sont encore plus problématiques au sujet des 19 terroristes présumés. Le premier problème, c'est qu'apparemment, ces individus savaient à peine piloter. Bien qu'ils aient notoirement suivi des cours de pilotage sur de petits avions de tourisme, aucun d'eux n'avait jamais été aux commandes d'un avion à réaction, et encore moins d'avions de ligne qui présentent des caractéristiques particulières en matière de pilotage. Adam Shaw est pilote et instructeur, spécialiste des exercices de voltige. Il a plus de 6000 heures de vol, dont plus de la moitié la tête en bas. For people who are really piss poor student pilots, to be able to get in the cockpit of big jets and fly them as accurately as they were flown at close to max speed and be able to hit the trade towers. L'idée qu'on puisse passer d'un petit avion monomoteur volant à 120 km/h à un grand avion de 100 tonnes voyageant à plus de 800 km/h, le tout sans aucun entraînement, est hautement improbable. People don't realize that to hand fly an airliner at those speeds is extremely difficult, and particularly if you're a novice, because a novice that's learned in little airplanes, they overcontrol everything. Pour expliquer ce passage apparemment impossible, les débunkers affirment que les terroristes s'étaient entraînés sur des simulateurs de vol et que les instruments de bord équipant les cockpits le 11 septembre étaient très semblables à ceux des simulateurs utilisés lors de leur entraînement. C'est faux. Car le seul simulateur qu'Anjour a utilisé est celui d'un Boeing 737, avion conçu dans les années 70, avec un cockpit totalement différent de celui du 757 qu'il est supposé avoir détourné le 11 septembre. Au mieux, les séances d'entraînement n'ont pu que l'embrouiller encore plus et ne l'ont pas aidé. Un autre argument des débunkers est qu'une fois dans les cockpits, il ne restait aux pirates qu'à engager le pilote automatique pour atteindre leur destination. Perché è una banalità sconcertante, me lo sono fatto spiegare, è come fare un SMS sul telefonino. E l'aereo va automaticamente a raggiungere la destinazione richiesta. Quindi io faccio, non so, JFK e lui mi porta all'aeroporto Kennedy. Appena io sono in vista dell'aeroporto Kennedy, prendo in mano i comandi e mi schianto contro le torri. Mais tout cela est très éloigné des événements du 11 septembre. Dave Bottiglia est le contrôleur aérien qui a suivi le détournement du vol United 175. Now as I'm watching, United 175 makes a hard left-hand turn and starts climbing. Not only did he make a sharp turn, but he also climbed 3,000 feet in a matter of approximately 1 minute, which is a very fast rate of climb. This is something that we have never seen before. Après cette brusque montée, l'avion a commencé à redescendre à toute vitesse. We were counting down the altitudes and they were descending right at the end at 10,000 feet per minute. That is absolutely unheard of for a commercial jet. Ce n'est sûrement pas comme cela que le pilote automatique l'aurait dirigé vers l'aéroport JFK de New York. It is unbelievable for the passengers in the back to withstand that type of force as they're descending. They're actually nosing the airplane down and doing it what I would call a power dive. At 9:01 a.m.,
United 175 is hurtling at more than 400 miles per hour toward the Statue of Liberty and New York Harbor. One of the controllers started counting out the altitudes, and he says, my God, he's going down at 8,000 feet a minute. Now it's 10,000 feet a minute. And he counted off 8, 6, 4, and he says, my God, he's in the ground on the next hit. Pourtant, il ne s'est pas écrasé. D'après la version officielle, Marwan al-Sheikhi, un jeune homme de 23 ans qui n'avait jamais piloté un jet de toute sa vie, a redressé la course de l'avion, identifié visuellement sa cible et réalisé un virage final spectaculaire pour aller frapper la tour sud sous les yeux ébahis du monde entier. Question. Marwan al-Sheikhi n'avait jamais piloté de jet de toute sa vie, sans parler de gros avions de ligne. Comment a-t-il pu effectuer une montée de 3000 pieds minute, puis une descente vertigineuse de 10 000 pieds par minute, tout en conservant le contrôle de l'avion? Et pourquoi aurait-il pris tous ces risques inutiles, y compris celui de percuter d'autres avions en vol, plutôt que d'engager le pilote automatique et de le laisser l'emmener vers sa cible? Ziad Jarrah, le pirate de l'air du vol 93, était aussi connu pour ses faibles compétences de pilote. Le rapport de la commission explique qu'en juillet 2001, Jarrah avait demandé la permission de survoler avec un avion de tourisme le couloir de l'Hudson près de Manhattan. Mais son école de pilotage l'avait estimé incapable de voler seul et il avait dû faire ce vol accompagné par un instructeur. On nous demande pourtant de croire que 2 mois plus tard, cette même personne a réussi à piloter un avion de ligne de 100 tonnes et à effectuer une descente si brusque qu'elle a laissé pantois tous les contrôleurs aériens de Cleveland. I see this plane climbed up from his assigned altitude of 35,000 feet to 41,000 feet, turned around and aimed right back at where we were, and descended rapidly. And when a plane descends too fast, the computer can't keep up with it. Ziad Jarrah n'avait jamais piloté de jet ni de gros avions de ligne et il n'avait que très peu d'expérience sur de petits avions de tourisme. Comment a-t-il pu effectuer une descente si rapide que l'ordinateur ne parvenait pas à le suivre tout en gardant le contrôle de l'appareil? Et pourquoi aurait-il pris de tels risques, y compris celui de percuter d'autres avions, plutôt que de voler en toute sécurité avec le pilote automatique vers la cible choisie au préalable? Mais l'exploit du siècle est à mettre au crédit d'Annie Anjour, un piètre pilote amateur qui aurait été aux commandes du vol américain de 77. Une fois en vue du Pentagone, la solution la plus simple était de faire écraser l'avion directement sur les toits du Pentagone. Au lieu de ça, Annie Anjour aurait débranché le pilote automatique et effectué à la main une descente en virage de 330 degrés à grande vitesse qui lui a fait perdre de vue sa cible. Il fut donc obligé d'accomplir une approche à très basse altitude, quasi impossible à réaliser. Vu d'en haut, le Pentagone constitue une cible d'une superficie de 12 hectares qu'aucun obstacle ne protège. En frappant son toit, les terroristes auraient causé des dommages énormes et auraient sans aucun doute fait plusieurs milliers de victimes. A l'inverse, l'approche par le flanc est pleine d'obstacles et la cible se réduit à une mince ligne de ciment qu'il faut aller percuter à plus de 800 km/h. Pourtant, les débunkers soutiennent qu'il existe une explication logique au choix de Anjour. Normalement, l'aéro devrait scendere in picchiata. Allora, si chiede a un pilota e il pilota ti dice subito, guarda che quella è la manovra più difficile, la fa un pilota esperto. Un pilota di scarsa competenza usa l'aereo come se fosse un camion bomba, ossia vola orizzontalmente, vola basso, centra l'edificio. Cette question a été posée aux pilotes professionnels, mais leur réponse diffère de celle d'Attivissimo. Se lei dovesse simulare il volo di uno che vuole colpire il Pentagono, esatto, se volessi rotta, quale essere sarebbe? Sicuro, lo colpirei sicuramente da questa parte qui. Cioè, per essere sicuro arriverebbe dall'alto così. Arrivando qui perché o si colpiscono questi edifici, diciamo i primi che vengono, oppure si colpiscono gli edifici che sono subito dopo e quindi si crea comunque un elevato danno. Piloter un jet à grande vitesse à proximité du sol requiert une finesse extrême, même pour un pilote doté d'une grande expérience. Lei, che ha tante ore di esperienza di volo, riuscirebbe a portare questo aereo negli ultimi 500 metri, da qui a qui, a 850 km all'ora. E dovrei metterci veramente tanto tanto impegno. La prima difficoltà sarebbe quella di volare attaccato a terra. Lo so per esperienza diretta, avendo fatto volo militare a bassa quota. Perché il terreno corre via. Certo, corre a una velocità incredibile. Quindi credo che chi ha fatto questa attività possa capire cosa vuol dire stare a 10 metri da terra, 5 metri da terra con un aeroplano che pesa 110-120 tonnellate lanciato a 900 km all'ora. Basta toccare la cross e schizza via. Come si fa a pilotare un aereo a 530 miglia all'ora a raso terra? È possibile? Come diceva il collega, è estremamente difficile, è complesso anche perché un
piccolissimo intervento sul piano verticale fa salire o scendere l'aeroplano, per cui anche un pilota abbastanza allenato avrebbe delle grosse difficoltà. I debunkers insistent pour dire que cette manœuvre est parfaitement réalisable, même pour un pilote amateur comme Anjou. La manœuvre est tutt'altro che acrobatica, è una virata molto ampia. Il y a des journalistes aux Pays-Bas qui ont dit ben, on va voir, on va faire le test. Pour démontrer la faisabilité de la manœuvre, les debunkers citent un documentaire de la télévision hollandaise où l'attentat du Pentagone aurait été prétendument répliqué sur un simulateur de vol. Waarschuwt het vliegtuig nu voor? Het vliegtuig waarschuwt dat de rolhoek iets te groot is, dus we hangen een klein beetje te schuin eigenlijk. Zijn we nu ook aan het dalen? Ja, we zijn vrij hard aan het dalen. Dat is meer dan, dat is sneller dan gebruikelijk? Het is iets harder dan normaal. En dit is de Pentagon, ik geef hem vol gas. Nu gaan we crashen. En dan moet hij hier, ongeveer aan deze vleugel, moet hij erin gekregen. Mais cette simulation n'est pas très fidèle. Avant tout, la trajectoire finale est effectuée plus haut, alors que dans la version officielle, l'avion arrive si bas qu'il percute des lampadaires et continue à voler à ras de terre. En outre, la vidéo ne fournit pas d'indication précise sur la vitesse de l'appareil pendant la simulation. Une simulation plus précise avec un pilote possédant une expérience comparable à celle de Hanjour donne des résultats très différents. Ok, vous êtes 311 knots. Vous voulez aller tout le way around? Oui, parce que je veux aller back towards the city here. Vous pouvez le sentir maintenant. You feel yeah, the G-forces? Yeah. All right. Go for it. Go towards it. You're 360 knots. There we go. You're 424 knots. And again, your radius of turn is becoming so great. Yeah, you can't see it. Keep it turning. Keep it turning. Keep it turning. Keep it turning. Now go down. Dive for it. Yeah, yeah. There's 500 knots. Keep it going. It's very touchy. I can understand. Now you're going on your back. You're going on your back. Keep it rolling. Keep it rolling. You hit something, but obviously it was not that building. 370 knots. Oh, come on. Hang on. I'm going to get him. 440 knots. You're going on your back. I missed again. There's no denying it's incredibly difficult, especially with that turn that the NTSB data said Flight 77 made. And then he levels off and then pretty much just guns it straight in. That straight path right in is really incredibly difficult. Correct. I couldn't do it. You couldn't do it. Not at that speed. Not at 500 knots. De fait, les contrôleurs aériens ont tellement été étonnés de la rapidité de la manœuvre de l'avion qu'ils pensaient voir sur leur radar un jet militaire. But nobody knew that was a commercial flight at the time. Nobody knew that was American 77. What did you think? It was a military flight of some kind? I thought it was a military flight. It was really moving fast. It was moving very fast. Like a military aircraft might move at a low altitude. Daniel O'Brien, contrôleur aérien à Washington, a déclaré « Vu la vitesse, la manœuvrabilité et la façon dont il a viré, tous ceux présents dans la salle de contrôle radar, et nous avons une certaine expérience, on pensait que c'était un avion militaire. On ne pilote pas un 757 de cette façon-là, c'est dangereux. » Plusieurs pilotes, civils et militaires, ont fait part de leur scepticisme quant à la manœuvre de Hanjour. Le commandant Ralph Kolstadt, ex-pilote militaire, instructeur de vol et pilote dans le civil pendant 27 ans, a déclaré « Au Pentagone, le pilote du Boeing 757 a accompli une manœuvre digne d'un grand pilote. J'ai moi-même plus de 6000 heures de vol sur Boeing 757 et 767, et je n'aurais pas été capable de suivre la trajectoire qu'il a décrite. » Le commandant Ted Mega, je n'arrive pas à imaginer qu'un pilote amateur puisse faire une manœuvre même approchante de celle-ci. Le capitaine russe Wittenberg, ex-pilote militaire et civil avec 35 années d'expérience, que quelqu'un saute sur les commandes et se mette à voler comme un as, c'est impossible. Il n'y a pas une chance sur mille pour que cela arrive. Nous dire que ce supposé avion a effectué ces manœuvres-là avec un amateur aux commandes, c'est tout simplement ridicule. To be able to fly that curving, descending, high airspeed trajectory into a very low building. You have to be Chuck Yeager to fly that trajectory. Non seulement Hanjour n'était pas Chuck Yeager, mais il semblerait qu'il n'était même pas capable de piloter un petit avion de tourisme. L'un de ses instructeurs de vol a déclaré « Hani Hanjour n'avait pas l'étoffe d'un futur pilote. Il n'était pas motivé et peinait à comprendre les principes de base de l'aviation. Il avait une faible capacité d'analyse et de piètre connaissance technique. » Les debunkers disent qu'Hanjour possédait une licence de pilote et qu'il devait donc être capable de piloter. Mais c'est précisément cette licence qui a déclenché toutes les questions sur Hani Hanjour. Dans un article de 2002 du New York Times intitulé « Un élève pilote connu pour son incompétence », on peut lire
Les instructeurs de son école ont trouvé ses aptitudes au pilotage et son anglais si faibles qu'ils se sont demandé si sa licence de pilote n'était pas un faux. L'article se concluait par les mots d'un ex-employé de l'école de pilotage. « Aujourd'hui encore, je suis stupéfait qu'il ait réussi à percuter le Pentagone. Il était parfaitement incapable de piloter. » Le directeur d'une autre école de pilotage à Phoenix a déclaré « Je n'arrive pas à croire qu'il avait une quelconque licence de pilote vu son manque de compétences. » Dans une autre école du Maryland, cette fois, les instructeurs ont estimé qu'il avait des problèmes pour contrôler et faire atterrir un monomoteur Cessna. Ces doutes sont confirmés par Nella Sagadevan, pilote et ingénieur aéronautique. You know, I got to say something about Honey Hanjo. I've spoken with two of his flight instructors. This guy could not solo a Cessna 150. It's a little single-engine two-seat trainer. And what I mean by solo, it's a pilot's first time out without anyone else in the cockpit with him. It's the most simple, most fundamental flying exercise one can engage in. You're seated inside the aircraft, you hit the power, you take off, make a couple of 90-degree turns, maximum altitude of around 900 to 1,000 feet, come back and land. One. You're saying this alleged hijacker, Honey Hanjour, could not solo 150? He could not solo. In fact, one of his flight instructors, and I quote him, he said, the man could not fly at all. Comment un pilote amateur que tous estimaient incapable de faire décoller un simple Cessna, qui avait du mal à comprendre les principes de base de l'aviation et qui ne s'était jamais assis aux commandes d'un Boeing 757, a-t-il pu tout d'un coup se révéler capable de piloter un avion d'une telle dimension en le faisant voler à de telles vitesses? Et même si l'on part de l'hypothèse qu'il a réussi à atteindre Washington avec le pilote automatique, pourquoi donc l'aurait-il débranché et aurait-il choisi de piloter manuellement pendant 8 longues minutes en effectuant une manœuvre parfaitement inutile qui A. augmentait considérablement le risque de s'écraser au sol, B. augmentait le risque d'être intercepté, C. lui faisait à nouveau perdre de vue sa cible, D. le contraignait à une approche bien plus difficile au ras du sol, E. réduisait sa cible à une infime ligne de ciment, F. limiter les éventuels dégâts à la seule façade, alors qu'il pouvait les rendre bien plus graves et spectaculaires en faisant plonger l'avion directement sur le toit du Pentagone. Il est intéressant de remarquer que si la manœuvre de l'avion du Pentagone semble dénuée de toute logique du point de vue des terroristes, elle devient un choix quasi obligé si l'on se place de l'autre côté de l'échiquier. Si l'opération a véritablement été orchestrée par quelqu'un au sein même de l'armée, il n'était pas souhaitable de voir un 757 tomber du ciel sur les toits du Pentagone. Cela aurait causé des dégâts énormes, coûté des milliers de vies humaines et éventuellement tué des généraux, voire le ministre de la Défense lui-même. Pour pouvoir dire qu'ils avaient été attaqués, tout ce qu'il fallait, c'était une frappe contre l'une des façades, dans la zone la moins peuplée, là où le nombre de victimes serait minimal. C'est peut-être une coïncidence, mais la zone du Pentagone qui a été frappée suite à cette étrange manœuvre non seulement satisfait à tous ces critères, mais venait d'être renforcé justement en prévision d'une attaque terroriste. Exactly where the plane went in was an area that had recently been redeveloped with very heavy blast walls and firewalls. All the outside windows had been equipped with Kevlar coating to guard against blast. This portion of the building that had been remodeled, blast heavy blast walls put in. And the old portion had already been vacated in preparations of the remodeling effort, and the number of dead is probably considerably less than it would have been if this part of the Pentagon had been up to full staff. Fortunately, too, this is exactly the opposite side of all the critical command centers in the Pentagon, the Secretary of Defense's office, the Chairman of the Joint Chiefs office, the National Military Command, where some of the most critical military decisions are made. Fortunately, they were all on the other side of the building. La zone rénovée venait tout juste d'être renforcée par des poutres d'acier allant du sol au plafond sur les 5 étages. Le DOD rapporte que lorsque cette partie du bâtiment s'est effondrée, la structure a été maintenue par cet ensemble de colonnes d'acier de 15 cm par 15. Entre les colonnes, on avait disposé des tresses en Kevlar, comme dans les gilets pare-balles, pour empêcher les briques de se transformer en projectiles mortels en cas d'explosion. Le soupçon qu'un impact contre cette section du Pentagone avait été prévu ne se fonde pas seulement sur l'énorme travail de renforcement de la structure. Il semble que la rumeur d'un impact contre l'anneau externe circulait déjà au plus haut niveau de la direction militaire. Le matin du 11 septembre, Jim Miklaszewski était journaliste pour NBC et se trouvait au Pentagone. The first time I heard the word terrorism out of any US official came shortly after the second plane had hit. And I bumped into a U.S. military intelligence official, and I said, look, what have you got?
and he said, obviously, this is clearly an act of terrorism. And then he got very close to me and almost silent for a few seconds, and he leaned in and he said, this attack was so well coordinated that if I were you, I would stay off the E-ring where our NBC office was, the outer ring of the Pentagon, the rest of the day, because we're next. Question. Même si quelqu'un avait prévu un attentat contre le Pentagone, il aurait très certainement imaginé un avion tombant du ciel sur les toits du bâtiment. Comment pouvait-on suggérer de se tenir éloigné de l'anneau externe à moins de savoir à l'avance ce qui allait se passer ? Alors qu'on nous demande de croire que ces pilotes amateurs ont effectué les plus incroyables acrobaties avec les avions détournés, personne à ce jour n'a jamais montré une seule image de ces présumés terroristes en train d'embarquer dans les 4 avions à détourner. Tous les aéroports du monde sont dotés de caméras de sécurité couvrant toutes les zones publiques 24 heures sur 24. La seule image des terroristes fournie après le 11 septembre est celle-ci, prise par une caméra de sécurité. Elle montre les pirates Abdulaziz Al-Omari et Mohamed Atta en train de passer un poste de contrôle. Mais les deux hommes ne sont pas en train d'embarquer sur le vol American 11 Boston-Los Angeles, mais sur un vol de liaison de Portland à Boston, très tôt le matin du 11 septembre. Il faut attendre 2005 pour que soient rendues publiques les images des terroristes dans un aéroport. Elles montrent le groupe supposé avoir détourné le vol American 77 en train de passer un contrôle de sécurité à Washington Dulles. Mais le marquage horaire, qui est normalement toujours présent sur les images des caméras de sécurité, a été coupé intentionnellement ou bien n'a tout simplement jamais existé. Autrement dit, cette vidéo peut avoir été tournée n'importe quand avant le 11 septembre, par exemple pendant un essai à vide que les terroristes ont effectué sur ces mêmes trajets. De fait, la commission a affirmé que certains terroristes, dont Atta, Sheikhi, Jarad, Hanjour et Hasmi, avaient fait plusieurs voyages d'essai durant l'été. D'autres éléments jettent le doute sur l'origine de ces images. En 2001, la plupart des caméras de sécurité fonctionnaient sur le mode d'une image toutes les secondes. Pourtant, cette vidéo montre une continuité d'image comparable à celle que l'on obtiendrait avec un caméscope. En tout cas, le fait est qu'en 12 ans, nous n'avons toujours pas vu une seule image prouvant que les 19 pirates de l'air supposés ont embarqué à bord des avions détournés. Pour pallier cette absence criante, la commission sur le 11 septembre a écrit « Le poste de sécurité de Newark, tout comme ceux de Boston, était dépourvu de circuits internes de caméras de surveillance ». Pourtant, un article du Los Angeles Times du 13 septembre 2001 citait un ex-directeur adjoint du FBI, Lewis Chiliro, qui disait « Les agents du FBI ont examiné les images de dizaines de caméras de surveillance des aéroports d'où les terroristes ont embarqué dans les avions. » Nous avons aussi le témoignage de David Rent, un ingénieur en informatique travaillant pour la société qui a installé les caméras de sécurité à l'aéroport de Dulles. Brent a déclaré « Après les attentats du 11 septembre, mon équipe et moi avions la tâche fastidieuse de passer en revue toutes les vidéos de l'aéroport, c'est-à-dire toutes les images des quelques 300 caméras, chacune conservant 30 jours d'enregistrement. Cela nous a pris 3 semaines à raison de 15 heures par jour. » Mais alors, où sont les images montrant les terroristes ? Même si les points de contrôle de 2 des 3 aéroports n'étaient pas équipés de caméras, nous aurions dû voir des dizaines d'images des terroristes, faisant la queue pour l'enregistrement, donnant leur carte d'accès à bord, se déplaçant dans les salles d'attente, passant des coups de téléphone, montant les escaliers ou marchant sur les tapis roulants, visitant les magasins de duty-free ou mangeant un sandwich avant leur départ. La plupart de ces lieux étaient équipés de caméras, utilisés aussi pour surveiller la clientèle. Et nous aurions également dû voir les terroristes dans la salle d'embarquement, en train d'attendre l'appel de l'hôtesse et enfin franchir les couloirs pour monter à bord des avions qu'ils allaient détourner. Mais nous n'avons rien vu de tout cela. Question. Pourquoi ne nous a-t-on jamais montré une seule image des supposés pirates de l'air dans les différentes parties de l'aéroport le matin du 11 septembre ? Puisque l'aéroport de Dulles de Washington disposait de caméras de surveillance au poste de contrôle, pourquoi n'a-t-on pas rendu publiques les images correctement horodatées des 5 terroristes embarquant sur le vol 77 le matin du 11 septembre ? Non seulement nous n'avons aucune image des 19 pirates de l'air dans les 3 aéroports utilisés le 11 septembre, mais nous n'avons même pas un aperçu de leur voix dans les enregistrements des boîtes noires du cockpit. Les détournements ayant duré entre 18 et 41 minutes, nous aurions dû avoir presque 2 heures d'enregistrement continu de tout ce qui s'est passé dans la cabine de pilotage des 4 avions. Nous aurions dû entendre les bruits de lutte des terroristes se battant contre les pilotes pour s'emparer des cockpits. Nous aurions dû entendre les conversations en arabe lorsque les terroristes tentaient de savoir où ils se trouvaient et décidaient de la meilleure façon d'atteindre leur cible au plus vite. Mais nous n'avons rien entendu de cela.
Pour l'American 11, qui a frappé la première tour, on nous a expliqué que l'enregistreur de conversation du cockpit n'avait jamais été retrouvé. Concernant le vol United 175 qui a percuté la deuxième tour, on nous a également dit que l'enregistreur de conversation n'avait pas été retrouvé. Pour l'avion qui s'est écrasé contre le Pentagone, on nous a expliqué que l'enregistreur avait été retrouvé mais qu'il était tellement endommagé que son contenu était inutilisable. C'est très curieux, étant donné que les boîtes noires sont spécialement conçues pour résister aux températures les plus extrêmes et aux chocs les plus violents. Planes have two so-called black boxes, actually painted orange to make them more visible. They're kept at the back of the plane. Two shells of stainless steel and a heat protective material shield the flight data recorder and the cockpit voice recorder. They can withstand pressure down to 6000 meters and heat of 1100 degrees centigrade. Pour le vol United 93, on nous a dit que l'enregistreur de bord avait été retrouvé et qu'il était en bon état de conservation. Mais pour une raison inexpliquée, son contenu n'a jamais été publié. En décembre 2001, les membres des familles de victimes ont envoyé une demande formelle au FBI pour qu'il publie l'enregistrement des conversations captées dans le cockpit du vol 93. Réponse du FBI, même si nous partageons la peine des familles, nous ne pensons pas que l'horreur qui se dégage des enregistrements faits dans le cockpit pourrait les consoler en aucune façon. En fin de compte, les seuls fragments de conversation des supposés pirates de l'air que nous ayons sont ceux enregistrés par les contrôleurs aériens situés au sol quand les terroristes ont apparemment appuyé sur le mauvais bouton en voulant s'adresser aux passagers. Curieusement, le pirate d'un autre vol a fait exactement la même erreur. Mais ces enregistrements peuvent aussi bien avoir été transmis par quelqu'un d'autre depuis n'importe où. Ils ne prouvent pas que les terroristes étaient à bord des avions. En fait, on est fondé à suspecter l'exact contraire, tout comme les images de Portland semblent compenser de façon providentielle l'absence totale d'images des 19 terroristes dans les 3 aéroports. Ces courtes séquences sonores, apparemment dues à des erreurs de manipulation, compensent de façon providentielle l'absence totale des conversations que nous aurions dû entendre sur les enregistreurs de bord des 4 cockpits. La situation devient encore plus invraisemblable lorsqu'on s'intéresse aux 4 enregistreurs de paramètres de vol des avions. On nous a dit là aussi que les enregistreurs de paramètres de vol des 2 avions qui ont percuté les tours n'ont jamais été retrouvés. Durant les mois qui ont suivi la destruction des tours jumelles, chaque débris quittant Ground Zero a été méticuleusement inspecté dans l'espoir de retrouver d'éventuels restes humains. That's when we decided the very least that we can do. If we can't bring them home to their families alive, then we'll stick it out and bring them home to their families. There wasn't a piece of rubble that left that pit that wasn't gone over with a fine-tooth comb. Ce travail a continué jusqu'à la fin du déblayage. The pile that you see in the background there is what remains of one of the towers. The tractor basically comes in, takes a shovel full of it, and then he feathers it out across the field out there. The guys take rakes and they rake through it. It's very tedious, but we find bones constantly. Comme si cela ne suffisait pas, le même travail de fouille s'est répété à Fresh Kills dans le New Jersey. Every single piece of debris, having already been combed through at Ground Zero, went through 3 more passes under the careful eyes of officers and agents of the FBI and the NYPD. Malgré tout, on nous demande de croire que les 4 boîtes de couleur orange clair, presque indestructibles, contenant les enregistreurs de voix et les données de vol, ont échappé à cette fouille si méticuleuse qu'elle a permis de retrouver des dizaines de montres, bijoux, billets, documents personnels et même des pièces de monnaie. On nous a dit que les enregistreurs de données de vol de l'avion du Pentagone et de celui tombé en Pennsylvanie ont été retrouvés en bon état. C'est de ces enregistreurs que proviennent les animations montrant les trajectoires des vols American 77 et United 93. Mais ces 2 enregistreurs posent un gros problème. Sur chaque enregistreur de vol est fixée une plaque métallique portant le modèle exact et le numéro de série de l'avion. Cela permet de toujours associer une boîte noire avec l'avion sur lequel elle est installée, tout en fournissant d'importantes informations techniques. Comme l'explique le NTSB, le numéro de série est utilisé pour savoir quand le constructeur de la boîte noire est passé d'une configuration mémoire à une autre. Ces informations sont nécessaires pour récupérer correctement les données. Dans pratiquement tous les accidents aériens répertoriés par le NTSB ces 20 dernières années, les numéros de série des enregistreurs de voix du cockpit et des données de vol sont mentionnés. Mais dans les rapports sur les vols 77 et 93, pour une raison inconnue, ils n'y figurent pas.
Un chercheur indépendant a adressé plusieurs requêtes formelles au NTSB, à l'aviation civile et au FBI pour demander des informations sur ces numéros de série manquants. Ces requêtes ont toujours été refusées. Les numéros de série des deux enregistreurs n'ayant jamais été publiés, il n'est pas possible de savoir s'ils proviennent bien des vols 77 et 93 ou s'ils ont une toute autre origine. Nous nous retrouvons finalement dans une situation paradoxale où le contenu de 6 boîtes noires sur 8 n'a jamais été rendu public, tandis que celui des deux dernières ne peut pas être vérifié. Pour ce que nous en savons, les 4 avions qui se sont écrasés le 11 septembre pourraient tout aussi bien être radicalement différents de ceux qui sont partis des aéroports ce matin-là. L'évidente incapacité de ces pilotes amateurs à piloter les appareils de la façon dont ils ont volé, ajoutée à l'absence totale de preuves qu'ils se sont trouvés à leur bord, pose un sérieux problème. Si ce n'était pas eux, alors qui était aux commandes des 4 avions? Car il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est qu'aucun pilote de ligne ne ferait jamais s'écraser son avion contre le Pentagone ou contre les tours jumelles de New York. Même avec un pistolet contre la tempe, une fois qu'il aurait compris qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, un pilote l'aurait fait plonger dans la mer au dernier moment ou dans une zone moins peuplée. I don't believe any airline pilot would intentionally fly into the World Trade Center, even with a gun at his head. It is inconceivable to me that any airline pilot would allow anyone to force him to fly into an inhabited building. I cannot imagine how any pilot could be conscious or capable of doing anything to control that airplane at the time that it was directed at one of these buildings. Mais alors, qui était aux commandes? Ce qui pourrait sembler une hypothèse fantaisiste a pourtant été suggéré par des journalistes télé 10 minutes après l'impact contre la seconde tour. That is a very large aircraft. Would be enormously significant if someone was able in some way to get their hands on a 727 or a similar size commercial aircraft and then crash it in. Ollie? Jim, what you're saying could be a drone aircraft. That's an aircraft that's guided electronically to its target without having a pilot. Now that is a possibility as well. Ce qui a fait naître les soupçons sur la nature exacte de ces avions, ce sont les vitesses exceptionnelles auxquelles ils ont traversé l'atmosphère à aussi basse altitude, proche du niveau de la mer. Comme nous le savons tous, une personne peut facilement courir dans l'atmosphère à sa vitesse maximum, mais elle ne peut pas le faire dans un milieu plus dense comme l'eau. Si elle était poussée à le faire à la même vitesse, cette personne risquerait de perdre un bras et ses jambes, vu l'excès de résistance qu'elle rencontrerait. La même chose peut arriver aux avions si on les pousse au-delà de leurs limites de sécurité. À 10 000 mètres d'altitude, l'air est très raréfié et l'avion peut tranquillement voyager à sa vitesse maximale, soit 800 km/h, sans rencontrer de résistance excessive. Mais à peine commence-t-il à descendre qu'il doit réduire sa vitesse car l'atmosphère se densifie, faisant augmenter la force de frottement sur les parois externes de l'avion. Une fois sous les 3 000 mètres, la vitesse recommandée tourne autour de 300 km/h. En fait, chaque avion a sa propre vitesse opérationnelle, appelée VMO, qu'il ne doit jamais dépasser à basse altitude, près du niveau de la mer. Le terme « jamais » n'est pas là par hasard. Si la VMO est dépassée, un phénomène appelé « flutter » peut survenir et peut rapidement causer des dommages irréversibles à l'appareil. Le phénomène de « flutter » peut se déclencher sur tout type d'appareil, des grands bombardiers aux plus petits avions de tourisme. Une fois la VMO dépassée, non seulement les ailes et la queue sont en danger, mais le fuselage aussi peut souffrir de la pression de l'air causée par la vitesse. C'est ce qui s'est produit avec le vol Air China 006, qui a dépassé sa vitesse maximale opérationnelle alors qu'il cherchait désespérément à reprendre de l'altitude après l'arrêt d'un de ses moteurs. For the first time, Captain Ho takes manual control of the plane. Airspeed 270, 280. The plane is about to exceed its maximum speed. Approaching VMO. The stress of the dive tears the landing gear doors off the plane. We pass VMO. Emergency. Emergency. Heureusement que le pilote est parvenu à reprendre le contrôle de l'appareil et à effectuer un atterrissage d'urgence. Les dégâts causés par ce dépassement de la VMO sont clairement visibles sur tout l'avion. La vitesse maximale opérationnelle d'un Boeing 767, comme deux des avions détournés, est de 660 km/h. Pour un Boeing 757, comme les deux autres avions, c'est un peu moins, 650 km/h. Malgré cela, les quatre avions ont enregistré des vitesses supérieures à 800 km/h, alors qu'ils volaient près du niveau de la mer, sans montrer aucun signe de dégâts structurels et en restant parfaitement sous contrôle, tandis qu'on les dirigeait vers leur cible. American 11.
hit high up in the North Tower, around the 93rd floor, going a pretty astonishing rate of speed, almost 500 miles an hour. Here comes a very large target, descending rapidly, very fast. Diving very steeply and very fast. It was fast, very fast. United Flight 175, streaking through the skies over New York at more than 600 miles an hour, barely missed colliding with another commercial flight. The back of my neck stands up when we talk about the hijacking. We watched the speed, very high rate of speed. I believe it was about 600 knots southbound, which was extremely unusual for an air carrier. D'après le NTSB, pendant la descente de 3600 à 1800 mètres, la vitesse au sol de l'avion est restée entre 920 et 960 km/h. L'avion a ensuite percuté le World Trade Center 2 à la vitesse de 940 km/h. Nous sommes donc 300 km/h au-dessus de la vitesse maximale opérationnelle d'un 767. Le vol 77, lui aussi, a étonné les contrôleurs aériens pour sa vitesse d'approche de Washington. It was an unidentified plane to the southwest of Dulles, moving at a very high rate of speed. I slid over to the controller on my left, and I asked him, "Do you see an unidentified plane there southwest of Dulles?" And his response was, "Yes. Oh my gosh, yes. Look how fast he is." Full throttle. Full out. L'appareil a effectué une descente circulaire à environ 600 km/h avant d'accélérer et de s'écraser contre le Pentagone à pratiquement 850 km/h. Alors qu'il volait à 1500 mètres d'altitude, United 93 a entamé une série de manœuvres brusques à droite et à gauche à la vitesse de 500 km/h. Il s'en suivit 2 minutes de manœuvres similaires vers le haut et vers le bas en approchant des 600 km/h. Malgré cela, Ziad Jarrah, à qui l'on avait refusé de voler sur un simple avion monomoteur, a réussi à maîtriser ces montagnes russes sans jamais perdre le contrôle de l'avion. Et alors que l'avion descendait, il a même continué à accélérer jusqu'à ce que l'avion aille s'écraser dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, à plus de 900 km/h. Ces vitesses exceptionnelles, atteintes à basse altitude, ont soulevé bien des doutes parmi les ingénieurs en aéronautique et les pilotes, et particulièrement ceux qui avaient déjà volé sur les avions détournés le 11 septembre. I flew the two actual aircraft which were involved in 9/11, the flight number 175 and flight 93, the 757 that allegedly went down at Shanksville, and flight 175 is the aircraft that's alleged to have hit the South Tower. I don't believe it's possible for a terrorist, a so-called terrorist, to train on a 172, then jump in the cockpit of a 757, 767 glass cockpit, and vertical navigate the aircraft, lateral navigate the aircraft, and fly the airplane at speeds exceeding its design limit speed by well over 100 knots, make high speed, high bank turns, exceeding, pulling probably 5, 6, 7 G's, and the aircraft would literally fall out of the sky. I couldn't do it, and I'm absolutely positive they couldn't do it. How do you feel about United 175 reaching 510 knots? Physically impossible. To have a clocked airspeed of 510 knots with a commercial airliner at sea level is physically impossible. Flight 175 that hit the second tower, they said it was going at roughly 560 miles an hour at sea level. No, that's impossible. You need so much power to push yourself through that air. So the engines have the right amount of horsepower for cruising at 30,000 feet at 500 plus miles an hour. To do that at ground level, you need 6 times that amount of power. Those engines can't put out 6 times more power. If you changed out the motors so that they were motors that had 6 times the thrust, then, you know, theoretically you could, but then the structure is not strong enough. Under all circumstances, I'd say an absolute resounding no. To me, it's impossible. You know, any pilot that has been in a commercial jet would probably laugh at if you said 510 knots. Is it possible to fly over 500 miles an hour at sea level? No. It would be above the indicated airspeed would be greater than its maximum speed at sea level. Even, like, say if it was even in a shallow type of dive. Would it be able to? Any airplane can be dive, of course, then you've got the assistance of gravity, right? But there comes a point where the drag of the air overcomes the aerodynamics of the airplane. Pour en avoir le cœur net, ce chercheur a appelé Boeing Corporation. It has to do with the maximum speed
of a 767-200 at 700 feet altitude. For 200? Yeah, 767-200, yeah. Like, I had asked some people, and they assumed it would be about 250 miles an hour or something. That sounds pretty likely, because at 35,000 feet, it's 530 miles. So there's no way that it could be going 500 miles an hour at 700 feet altitude, then. Question. Pouvez-vous nous prouver qu'un Boeing 767 équipé de ses moteurs habituels est capable de voler pendant 2 minutes à plus de 900 km/h à basse altitude sans subir de dommages structurels? Pouvez-vous expliquer comment des pilotes amateurs qui n'ont jamais volé sur un jet de leur vie peuvent réussir à garder le contrôle d'un avion volant à plus de 300 km/h au-dessus de sa VMO? Et pourquoi des terroristes déjà chanceux d'être arrivés en vue de leur cible voudraient-ils compromettre toute l'opération en soumettant l'avion à de telles contraintes qu'ils pourraient s'écraser au sol avant d'avoir accompli leur mission? Mais du coup, une question devient inévitable. S'il s'agissait d'avions militaires télécommandés et non d'avions de ligne, alors que sont devenus tous les passagers? Il est certain que personne ne peut répondre à cette question. Mais nous savons une chose, c'est que dès les années 60, la CIA avait déjà développé des plans d'opérations secrètes prévoyant un échange entre un avion plein de passagers et un drone militaire. L'un de ces plans, appelé Opération Northwood, détaillait comment substituer un avion de ligne par un drone sans que le contrôle aérien s'en aperçoive. Après l'échange, l'avion civil allait atterrir sur une base militaire. Le drone poursuivait la route prévue, apparaissant sur les radars comme l'avion original et était téléguidé vers sa cible. Nous ne savons pas ce que sont devenus les passagers, mais une chose est sûre, ceux qui ont appelé leurs proches avec des téléphones mobiles n'ont pas pu le faire depuis les avions en vol. Peu après le crash du vol 93, des rumeurs circulaient à propos d'appels effectués par plusieurs passagers utilisant leur portable depuis les avions détournés. We are being hijacked, we are being hijacked. Those frightening words were uttered by a passenger aboard United Flight 93 who was able to call emergency personnel on his cell phone before the plane crashed in western Pennsylvania. And tonight we're getting reports of cell phone calls from at least three of those four flights. On the second flight that came out of Boston, that was the second flight of the day, and also went into one of the Twin Towers of the World Trade Center, there was a businessman who got off two cell phone calls to his father. CNN commentator Barbara Olson, wife of U.S. Solicitor General Ted Olson. She reportedly called her husband twice on a mobile phone to tell him her plane was being hijacked. Le problème est qu'en 2001, il était pratiquement impossible d'appeler avec un téléphone portable depuis un avion en vol. Le principe de base de la téléphonie cellulaire est qu'elle utilise des transmetteurs à basse consommation pour des raisons de coût et aussi pour augmenter la durée des batteries. C'est à l'antenne réceptrice au sol de capter et d'amplifier leur signal avant de le rediriger sur le réseau de communication. Il est communément admis qu'au-dessus de 3000 mètres, la plupart des téléphones mobiles cessent d'être utilisables. Les avions de ligne circulent normalement vers 10 000 mètres d'altitude. Les auteurs de Popular Mechanics soutiennent pourtant que les téléphones cellulaires continuent à fonctionner depuis un avion en vol, même aux plus hautes altitudes. David Dunbar. With regard to the cell phones, we did what any reporter would do. We talked to experts in the field, and in fact, cell phones do work at that altitude, up to 35,000 feet and higher. And In 2001, and it might be instructive for you to talk to some of the cell phone experts. Plutôt que de s'en remettre aux experts, la télévision japonaise a décidé de faire le test elle-même. En 2003, ils ont mené une expérience près de l'Ontario, au Canada, afin de vérifier la portée des téléphones cellulaires à différentes altitudes. The cellular phone system used in the experiment in Canada is the one used in the United States. Three cell phones, each from different telephone companies, were used. The experiment begins at 1,000 feet. Hello? Hello, I'm calling from cell phone A. What's up? The results were the same with the other two. Next, we went up to 4,000 feet. Then... No, not on me. Company B's phone stopped working at 4,000 feet. And when the aircraft rose to 6,000 feet, Company A's phone also became useless. At 8,000 feet, none of the three cell phones worked anymore. No service on A, no service on B, no service on C. In other words, at an altitude of 35,000 feet, cell phones would have been totally useless. Mais au-delà du problème de l'altitude qui rend ces téléphones inopérants, se pose celui de la vitesse.
Appeler avec un téléphone mobile depuis un avion, ce serait comme le faire depuis une voiture roulant à 800 km/h. La connexion devrait continuellement passer d'une station réceptrice à la suivante, et ainsi de suite. La procédure de transfert entre deux antennes réceptrices est appelée hand-off et repose sur une triangulation permanente entre les tours réceptrices pour déterminer la position exacte de l'appelant. Quand l'unité mobile approche de la zone de hand-off, la première tour voit le signal s'affaiblir et se prépare à transférer l'appel à la seconde. Quand cette dernière capte un signal suffisamment fort pour le prendre en compte, la procédure de transfert est activée. Si tout va bien, l'appel est rerouté dans le système par la nouvelle antenne réceptrice. Mais la vitesse à laquelle un avion traverse les zones de hand-off est tellement élevée que les tours n'ont pas le temps d'effectuer les procédures de transfert. L'appel serait donc coupé et la personne devrait recommencer son appel depuis le début. Si l'on cumule les problèmes posés par l'altitude et par la vitesse, il devient évident que les chances de pouvoir appeler avec un téléphone portable puis un avion en vol sont pratiquement nulles. Même après 2001, les problèmes d'altitude et de vitesse sont restés inchangés. Dans un article du Washington Post daté de 2005, on peut lire « La plupart des téléphones mobiles ne peuvent pas atteindre les antennes réceptrices quand ils sont à plus de 3000 mètres d'altitude. L'autre obstacle technique consiste à pouvoir transférer l'appel d'une tour à l'autre lorsque l'appareil se déplace à 800 km/h. » Et même 10 ans après le 11 septembre, ceux qui essaient d'utiliser leur téléphone mobile depuis un avion en vol obtiennent le même résultat. Une fois qu'il fut clairement établi que les passagers n'avaient pas pu appeler avec leur téléphone portable depuis les avions, la version officielle sur ce sujet s'est faite considérablement plus confuse et ambiguë. Theodore Olson, qui avait dit à la presse avoir reçu deux appels portables de sa femme Barbara, a changé sa version par la suite, expliquant qu'elle avait en réalité utilisé un téléphone de bord. Et lorsque le rapport de la commission fut publié en 2004, il ne restait plus qu'une seule mention, très générique, de ces appels téléphoniques, à savoir, à un moment donné, les passagers et les membres d'équipage ont commencé à effectuer toute une série d'appels depuis les téléphones de bord de la compagnie GTE et depuis leur portable. Il n'est pas précisé lesquels ont été passés avec les portables et lesquels avec les téléphones de bord. Lors du procès Moussaoui, les autorités ont soigneusement évité d'être trop précises à ce sujet. Cette animation flash fait partie de la documentation officielle. Elle contient toutes les informations essentielles sur les quatre avions détournés. En cliquant sur l'un des vols, on peut voir la liste des passagers. Et si l'on clique sur l'icône du téléphone, en bas, les passagers qui ont passé les appels sont surlignés. En cliquant sur le nom des passagers, on voit la liste des appels. Pour chacun des appels, nous sont fournis l'heure de début, la durée, la partie initiale du numéro appelé et le nom de la personne qui a reçu la communication. Mais le numéro d'où est parti l'appel n'est jamais indiqué. La seule information disponible est l'endroit dans l'avion d'où est parti cet appel, dans ce cas, la rangée 30. Comme si les autorités voulaient suggérer que ces appels avaient été passés depuis les téléphones de bord, sans toutefois l'écrire noir sur blanc. Dans deux cas seulement, les autorités précisent qu'il s'agissait de téléphones portables. Le premier était destiné au numéro des urgences aux USA, le 911, et a été effectué par un passager qui s'était enfermé dans les toilettes qui n'ont pas de téléphone de bord. Le deuxième est un appel passé par l'hôtesse de l'air Cici Lyles à son mari, qui décrira plus tard à la télévision sa surprise d'avoir reçu un appel du portable de sa femme. Once the phone got disconnected, then I sat up in the bed like it was like I just woke up. I'm like, was that a real call? So I looked at the caller ID and noticed that it was a call and it was from her cell phone. And I'm like, okay, wait a minute. How can she call me from on the plane? Et puisque seuls ces deux appels de portable ont été reconnus par les autorités, les debunkers ont tous adopté la position de seulement deux appels en provenance de téléphones portables. Les telefonate non sono state fatte con i cellulari, sono state fatte con gli airphone. In soli due casi è stato usato un cellulare. Quindi quelle due telefonate brevissime, frammentarie, sono state fatte quando l'aereo era a quota perfettamente compatibile con la rete cellulare americana. Mais il y a d'une part les appels de portable admis officiellement et d'autre part les appels qui ont réellement eu lieu. Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, le FBI a interrogé plusieurs personnes qui avaient reçu des appels de leurs proches depuis les avions. Et leur rapport raconte une histoire tout à fait différente. L'un de ces rapports explique qu'à partir d'environ 6h30 du matin PST, c'est-à-dire 9h30 heure de New York, Dina Burnett a reçu entre 3 et 5 appels du portable de son mari, Thomas Burnett. Madame Burnett a pu vérifier que son mari utilisait bien son portable car l'identification de l'appelant montrait son numéro de portable. Pour l'un seulement de ces appels, le numéro de l'appelant n'était pas visible car elle était déjà en ligne avec quelqu'un d'autre. D'après la documentation officielle, Thomas Burnett a passé trois appels. Le premier à 9h30, le deuxième à 9h37 et le troisième à 9h44.
Et donc, Burnett a utilisé son téléphone portable pour au moins deux de ces trois appels. À 9h30, l'avion se trouvait à 10 000 mètres d'altitude et continuait de monter. À 9h37, il volait vers 11 000 mètres et montait toujours. À 9h44, il était encore à 6700 mètres d'altitude et se déplaçait à 600 km/h. Aucun de ces appels ne paraît envisageable avec un téléphone cellulaire depuis cet appareil en vol. D'après un autre rapport, un passager du vol United 93, Jeremy Glick, a vu les pirates de l'air dans l'avion et a utilisé son portable pour appeler Madame Mackley, sa belle-mère, pour la prévenir du détournement et parler à sa femme, Lisbeth. D'après le FBI, Lisbeth n'a entendu aucun bruit de fond particulier pendant cet appel. La ligne était de bonne qualité, comme s'il appelait depuis la pièce d'à côté. La communication avec le portable a été interrompue à 9h55. Glick a appelé à 9h37, ce qui signifie que la communication a duré 18 minutes sans interruption pendant que l'avion volait entre 11 000 et 3 000 mètres d'altitude, à la vitesse moyenne de 600 km/h. Si cet appel a bien été émis depuis l'avion en vol, seul un miracle a permis à cet appel de durer aussi longtemps. Lorraine Grandcola possédait un téléphone portable et il semble qu'elle l'ait prêté à une autre passagère, Honor Wanio. Wanio a appelé ses parents à 9h53, au moment où l'avion volait à 3000 mètres d'altitude et presque 700 km/h. Elsa Strong a reçu un appel de portable de sa sœur, Liza Grönlund, une des passagères du vol United 93. Grönlund a appelé sa sœur à 9h46, alors que l'appareil se trouvait encore à 5000 mètres d'altitude et volait à 600 km/h. Marion Brighton se trouvait elle aussi à bord de United 93. Son fiancé a reçu un appel du portable de Marion pendant le détournement. Elle expliquait à son petit ami, Fiumano, qu'elle avait emprunté le téléphone portable d'une passagère. Marion a appelé Fiumano à 9h49 alors que le vol United 93 se trouvait à plus de 4000 mètres et volait à presque 600 km/h. Peter Hanson, un passager du vol United 175, a contacté sa mère avec son téléphone portable et lui a dit que l'avion avait été détourné. Le père de Peter, Lee, a dit qu'il a résisté à la tentation de rappeler son fils car il ne voulait pas le mettre encore plus en danger en faisant sonner son téléphone portable dans l'avion. Peter Hanson a appelé deux fois ses parents, à 8h52 et à 9h. À 8h52, l'avion volait à plus de 10 000 mètres d'altitude. À 9h, il se trouvait encore à plus de 5000 mètres et se déplaçait à la vitesse extraordinaire et pour tout dire pratiquement impossible de 900 km/h en arrivant proche du niveau de la mer. Brian Sweeney était également l'un des passagers du vol United 175. Le FBI a écrit que, lorsqu'il a eu connaissance des attentats, sa femme, Jolie Sweeney, est revenue à la maison et a trouvé sur son répondeur un message que son mari lui avait laissé avec son portable. Sweeney a passé son appel à 8h58 entre les deux appels d'Hanson alors que l'avion volait à plus de 7000 mètres d'altitude. Même s'il est possible d'envisager que l'un de ces appels ait réussi à se connecter momentanément par une série de coïncidences fortuites, il est évident que tous n'ont pas pu être passés depuis les avions détournés. Question. Étant donné les limites du système de téléphonie cellulaire en 2001, pouvez-vous démontrer que les appels des passagers effectués avec leur téléphone portable et mentionnés dans les rapports du FBI ont pu être effectués à haute altitude aux vitesses indiquées et pour les durées précisées pour chacun d'entre eux? Nous savons que les appels ont bien été passés, puisque personne n'a jamais douté du fait que des proches les ont reçus. Cela nous amène à l'hypothèse assez dérangeante de la substitution des avions. Les passagers auraient pu être contraints d'appeler leur famille, de prétendre qu'ils étaient à bord, alors qu'en réalité ils avaient déjà atterri quelque part. Plusieurs faits plaident en faveur de cette hypothèse. L'un d'eux est l'appel passé par un téléphone de siège depuis le vol 93 par Todd Binner à une opératrice de la société GTA, Liza Jefferson. C'est par Liza Jefferson que le monde entier a eu connaissance du fameux cri de guerre « Let's roll, allons-y ». When he told the guys, are you ready? I assumed that they were waiting on his cue. Then they responded to him and he said, okay, let's roll. La commission du 11 septembre a établi que le détournement avait débuté à 9h28. Todd Beamer a contacté Liza Jefferson à 9h43, soit 15 minutes après le début du détournement. Le rapport du FBI confirme que Jefferson a bien reçu l'appel de Beamer vers 8h45 heure centrale, soit 9h45 sur la côte est. Mais la teneur de la conversation ne correspond pas au récit officiel. D'après Jefferson, Beamer a appelé pour les avertir du détournement imminent de l'avion. Il a déclaré que trois individus, deux avec des couteaux et un avec une bombe fixée à sa ceinture rouge, se préparaient à prendre le contrôle de l'avion.
Jefferson estime avoir parlé avec Beamer pendant 7 minutes avant que les pirates de l'air armés de couteaux ne réussissent à s'emparer du cockpit. Cela place le détournement à 9h52, alors qu'il est officiellement survenu à 9h28, l'écart est énorme. Comment Beamer a-t-il pu décrire des événements censés se dérouler sous ses yeux alors qu'ils avaient déjà eu lieu presque une demi-heure avant? Comment les terroristes ont-ils pu se préparer à prendre le contrôle du vol à 9h45 alors qu'ils se trouvaient déjà dans le cockpit depuis 15 minutes? Le FBI a également écrit que Jefferson avait remarqué l'inhabituelle absence de bruit de fond durant l'appel, chose que Liz Glick avait également notée. De plus, les enregistrements montrent que l'appel de Beamer a duré pratiquement une heure et que la ligne est restée connectée après le crash. « Nous n'avons jamais été coupés », a déclaré Jefferson. « Quand une ligne est coupée, on entend un son différent. Je n'ai jamais perdu la connexion. C'est juste devenu silencieux. » D'après le FBI, Jefferson est resté à l'écoute jusqu'à ce qu'elle apprenne que le vol 93 s'était écrasé. Question. Étant donné que les téléphones de bord sont alimentés par le système électrique de l'avion, comment une ligne peut-elle rester connectée 45 minutes après la désintégration complète de l'appareil au sol? Tout cela nous amène à nous demander si Beamer était réellement à bord de l'avion en train d'observer les événements, ou bien s'il ne faisait que dépeindre depuis un autre lieu une situation imaginaire écrite au préalable. Pour accréditer cette hypothèse, il y a aussi le message tragique de l'hôtesse Cici Lyles laissé sur le répondeur de son mari juste avant qu'elle ne lui parle brièvement depuis son portable. Comme elle le suggère elle-même, nous devons écouter très attentivement. Tuesday, 9:47 a.m. Hi baby, baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane, I'm calling from the plane. Là aussi, nous pouvons remarquer l'absence du bruit de fond typique à bord des avions. Après avoir dit au revoir, elle semble réajuster le combiné et murmurer quelque chose dans le micro. Même après plusieurs écoutes, il est difficile d'entendre d'autres mots que « it's a frame », c'est un coup monté. Quoi qu'il en soit, les questions soulevées par les appels téléphoniques n'y changent rien. Les appels de téléphone portable confirmés par le FBI ne peuvent pas avoir été donnés depuis les avions en vol. Il faudra que quelqu'un explique d'où ils provenaient.